chakula. Mwenye anatiaka kumeza. Na wakati unakaribia, kila mtu atakula kufuatana na vile anakulaka. Basi kama huyu mmoja anakula anakula maragwe, l'autre aussi peut manger le pondu, huyu mwingine anaweza anakula sombe, l'autre peut manger des légumes, huyu mwingine atakula vya mayani. Tout ça c'est le repas qui est dans la table. Lakini yote inakuwa ni chakula yenye kwa kumeza. C'est Frère Branham dit. Ni ile ndio tu bwana anasema. Alors il dit, basi anasema, quand la parole est donnée, wakati neno inaletewa, je ne pense pas que tout ce qu'on peut prêcher peut être mauvais. Choisiez que c'est ma biote, bien mis kubiriwa, bien mis kwa bibaya. Ce que vous n'avez pas cru, il est nyau kuamini, mettez dans la poche. Kuitie pembeni. Quand vous sortez, wakati utatoka, vous jetez cela. Unaweza hata uitupa. Maintenant, ce qui était important, sasa ile ilikuwa ya maana, envoyez ça dans l'âme. Kuitie ndani ya nafsi. Amen. Amen. Et c'est comme ça dans notre coutume. Na jo vile mazoezi yetu. Comme moi, je ne mange pas l'haricot. Ça vile mie shikulake maraki. Si on met l'haricot, moi je pars du côté de Pondu. Kama mie bananitilia maragwe naendaka ngambo ya sombe. Il y a des gens aussi qui aiment manger l'os. Unakuwa batu bengine banapenda kula mfupa. Alors les autres aussi aiment la chair. Mwingine naye atapenda mnofu. L'autre qui aime l'os, laissez-lui croquer l'os. Basi huyu mwingine kulaka mfupa, mwache lwake akule mfupa. Alors là, ça fait du bien. Ile basi ndio itapendeza. Mais je bénis Dieu. Lakini namshukuru Mungu. J'ai trouvé aussi un peuple qui croit la parole de Dieu. Nilikuta pia taifa yenye kuamini neno la Mungu. Amen. Amen. Ça reste dans peu de jours. Na bakia masiku chache. Où je vais chanter. Na nitaimba. Au revoir. Kwaheri. Aare. Kwaheri. Au revoir. Au revoir. Dieu bénit, voyez que c'était une veuve. Naona alikuwa ni mjane.
de faire ce qu'elle a fait hier. Na kufa ile nyari timiza jana. Ça dépasse. Hii inakuwa mkubwa. Et que Jésus-Christ. Ah, Yesu Kristo. Qui est le mari de veuve. Mwenye kuwa mume wa wajane. Puisse la bénir. Ambariki kabisa. Ah, c'est vraiment merveilleux. Hii inakuwa majabu kabisa. Ni kuwa shukrani kabisa tout ce qui se passe. Kwa ajili ya yote yenye kutendeka. Alors moi et Frère Branham dit dans l'union invisible. Unajua ndugu anasema katika muungano usionekana. Si je peux dire quelque chose. Anasema kama mimi nafikia mkusema kitu fulani. Vous n'avez pas bien compris. Na mkukielewe mzuri. Je l'ai dit de moi-même. Wala nilikisema tu mvile. Je ne parle la parole. Yeye haina neno. Prenez cela. Muichukue ile kitu. Mettez ça dans le compte de mon ignorance. Muitie kwa mwakiba ya jinga bwangu. Wewe kama Frère Branham avait l'humilité. Naona namna gani ndugu Branham alikuwa na unyenyekevu. Prophète ne saurait pouvoir dire ça. Nabii wa kipimo yake hataweza kusema vile. Asema muitie kwa mgambo yangu ya jinga yangu. Frère Branham était ignorant. Ni kusema ndugu Branham alikuwa mwenye mtu mwenye ashijue. Na inya rien que Frère Branham a dit. Lakini hakuna kitu kiende Branham alisema. Que cela ne soit pas la parole. Inyewe ilikose kuwa neno. Amen. Amen. S'il y a quelque chose, mettez ça dans le compte. Kama kuku kitu fulani, mukitie ngambo ya bujinga yangu. Et tant que je suis encore là. Na ile wakati ningariki. Pour le peu de jours qui reste. Wima siku chache na wakia. Si je vous ai offensé. Kama nilikukosea. Uma maniere ta touche. Namna yangu ya kusema. Prière me voir. Unione kotu. Et vous allez prier pour moi. Na kisha utanyombea. Je souhaiterais quand je vais aller. Kwani nitapenda kwa wakati nitakwamisha kwenda. De joie. Muchunge konjina yangu na furaha mingi. Je vais partir après au poste de France quand il est déjà ici. Taki wakati taenda pasteur Prince wakati alikuwa hapa Kuye ko tu munyone tu kuni banduku. Et commencer à venir me voir. Mwanze ko kwa kunyona tu. On va parler. Na tutaongea. Pasteur voilà, voilà, unaona urisaki fulani ulisema kia hivi na tutatengeneza vyote. Je vais manger niwe. Na pale nitapiga magoti. Vous allez prier pour moi. Na mtaniombea. Je pense que Dieu a voulu. Nazania Mungu alipenda. Que moi aussi. Mimi pia. Je puisse marquer mon histoire à fellowship. Nipitie kuna mi hapa nibakie katika historia ya fellowship. Que je trouve une famille. Nipate kujama fulani. Qui va rester aussi ma famille. Nitabakia pia jama yangu. Amen. Amen. C'est pour moi une fierté. Kwa ajili yangu inakuwa ni mambo ya furaha. Vraiment ça c'est une fierté. J'ai déjà des familles. Il n'a pas mambo ya kujivuna ni kuna lazima na jama. Wale watu wenye kunipenda na unyofu. Unasikia kusema quand je suis malade là. Wakati na ugonjwa. Niliona. J'ai compris que non. Nilielewa kama a ses enfants partout. Mungu anakalaka na watoto wake kwa shiote. Vraiment je suis très reconnaissant. Kabisa ni kwa shukrani kabisa kwa ajili ya hili. Et moi dans mon cœur je vous aime sincèrement. Na mimi ndani ya moyo wangu na mipenda na unyofu. Ma nature est comme ça. Asili yangu iko je. Que vous m'aimez. Unipende. Que vous ne m'aimez pas. Ukose kunipenda. Moi je dois vous aimer. Wangu mimi napasha kukupenda tu. Et quand je te vois je vais t'embrasser. Na wakati mimi nakuona napasha kukumbatia. Que vous ne m'aimez pas même si on dit ah vous parlez mal de moi. Ana, je vais te chercher. Sema mabaya yangu mimi nitakutafuta na nitakukumbatia. C'est comme ça moi. Ni vile na mie. Parce que je sais que. Kwani najua kama. Cette vie n'est rien. Hii maisha hii haiko kitu. Très bientôt. Masiku kiloko hivi. Nous allons partir. Tutajindiza. Ça le problème. Mambo ni ile. Vraiment je suis reconnaissant Dieu. Niko wa shukrani mbele ya Mungu. Pour cette église. Kwa ajili ya hii kanisa. Et je bénis Dieu pour Nambariki Mungu. Le révérend Rachete Omeonga. Jua mheshimiwa Rachete Omeonga. Pour la confiance. Kwa ajili ya tumaini. Parce que depuis que je prêche là. Kwani tangu niko nahubiri hapa. Si peut-être que kama samoja ça n'allait pas haikuwa naendeka il allait déjà couper samoja kama isa sha unikataka na ruweza kuita washemasi asema muoneshe je devrais déjà partir na kama isa misha kwenda je pense que lakini nadhania mui wakati j'essayais niripima de vous répéter que Frère Branham kumihudhiria ndugu Branham est-ce que c'est la vérité eti ni ukweli c'était
c'était ça vraiment. Ilikuwa ni ile kabisa. Que Dieu bénisse le conseil des diacres. Na Mungu abariki wa shemasi yote. Pour leur fraternité, leur amour envers moi. Jua kinduku yabo na mapendo yabo. Le président. Ule président. Tout moment. Mwenye kunitembelea saa yote. Ça fait vraiment la joie. Iku naleta ni furaha kabisa. Je suis très heureux de cela. Ni kwa heri kabisa kuona ile. Sans oublier. Bila kusabu. Le couple Mbambi. Ile jamaa ya Mbambi. J'avais dit que je suis logé seulement chez un docteur. Ah, Mungu alitayarisha kusema nibakie kwa docteur. Ni kama mimi nashikia tu kiloko, anakuya kiloko, ananyuzuria. Mama Becky est en train de me gâter plus même que son bébé Ruth là. Na mama Becky eko na nitendea mema kushindia na bébé wake Ruth. Je suis tellement gâté. Eh mie huko baina nitendea ni mema kabisa. Muzomona tena ngembanga evimbi. Amuone tu namna mimi na nenepa. La trentième sur l'œuvre missionnaire. Ole mon Christ, paile balabala l'entretien, entretien. Mazungumuzo. Sur l'œuvre missionnaire. Kazi ya utume. Lorsque un missionnaire est dans le voyage missionnaire. Wakati mtume eko katika safari ya utume. Participer avec lui. Ukwe natumika pamoja naye. Kwani les bénédictions mabaraka seront partagés ensemble. Ah, mtakuwa na ikabula. Ah, vraiment c'est bien. Eh, hey, ni mzuri kabisa. Je ne dois pas prendre du temps. Napasha chukua muda mingi. Le dimanche à venir, je vais encore parler. Yenga iliyokuya nitasema tena. Et jusqu'à ce que le pasteur sera là. Na mpaka pale pastori atakuya. Mais ne trouvez pas ça mauvais quand je remercie une sœur et un frère. Mshone tu mbaya. Ne voyez pas ça mauvais. Shukuru muntu dada fulani mshibibebe mbubaya. Vous savez que si je ma voix namnajua sauti yangu. Ça dérange parce que j'étais malade. Sauti yangu ilikuwa inanisumbua kwani nilikuwa naumwa. Quand j'étais à Kinshasa là, j'étais malade. Wakati nilikuwa Kinshasa nilikuwa naumwa. J'étais à la clinique. Nilikuwa kule ku clinique. Bovan là. Il est Bovan. J'avais fait 3 mois. C'est comme ça que je n'avais pas pris part à la dédicace du pasteur Salem. Parce que là, quand je suis sorti de l'hôpital, je suis allé pour le repos à Kisantu. Jusqu'à ce que je n'ai pas pu être à la dédicace. C'est quand je suis revenu que je prêchais. Et j'avais un problème. Na nilikuwa na mambo tatizo dans la voix ndani ya shingo ku sauti jusqu'à l'eau na mpaka hivi sasa prêché à Kinshasa avant de venir taona nirubiri kule Kinshasa kabla mikuya kule kuzozana mwezi moja kwa pasteur Makonga maruki mbili nilifika huku je prêché à Cabo Sese nilikuwa na hubiri kule kwa Sese ya le pasteur André à Torrent de Kerit na huku Torrent de Kerit kwa pasteur André nilikuwa na hubiri je suis revenu ici na nirudi hapa la voix vraiment était très dérangée sauti ilikuwa inanisumbua kabisa mais Dieu lakini Mungu merveilleux Mwenye kwa majabu. Il m'a donné vraiment. Arini kaburia. Ni mama qui a tout fait pour moi. Mama mwenye arini tendea biote. Et aujourd'hui, si vous
vous me sentez très bien là. Na leo kama mnasikia mnanisikia niko mzuri niko vema. Mama Alphonsine. Ni mama Alphonsine. C'est ma mère là vraiment je ne sais pas ce que je peux dire pour elle. Ule mama yangu ule shijui ile nyimi nizikusema kwa ajili yake. Ça vraiment c'est une maternité débordée. Ile kabisa ni umama ya kujazwa kabisa. Vous savez, ça me fait la joie parce que quand je suis avec mes mamans là. Najua binanipachaka furaha kwani wakati niko na mama bale ba mama yangu. Mama kaeli me voilà et vient m'embrasse. Wakati mama yangu ananiona ananikumbatia. Ça ne pose pas de problème. Mie abinishutushake. Quand mama Dorcas me transporte de là, il n'y a pas de problème. Wakati mama Dorcas ananibeba hivi hakuna shida. Ah, mais si c'était d'autre côté. Lakini kama ilikuwa ngambo ingine. Là c'est de problème. Eh, pale italeta mambo. Mais je bénis Dieu pour ma mère. Lakini namubariki Mungu kwa ajili ya mama yangu. Je bénis mama Alphonsine. Mungu ambariki mama Alphonsine. Soyez béni mama. Mama barikiwa. Je suis très heureux de toi. Ni kuwaheri kwa ajili yako. Que Dieu vous donne une bonne santé. Mungu akupatie afya njema. Et il ajoute encore vos années sur la terre. Na akuongezee tena miaka ingine pa udongo. Acclamez pour mama Alphonsine. Eh, mshangilie kwa mama Alphonsine. C'est wonderful. Ah, ni ya majabu. C'est merveilleux. Ni ya majabu kabisa. Autre chose. Kitu ingine. On va le dire après. Tutaisema baadaye. Nous allons nous lever. Tutasimama bwima. S'il vous plaît. Divin, oui, mais dans mon cœur.
Saint-Esprit a mis ça dans mon cœur. Depuis la semaine passée, je sentais seulement je vais parler sur ça. Prenons Hébreux chapitre 10, verset 24. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous prêchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Prions le Seigneur. Dans ces temps, oh Dieu, nous sommes un peuple qui a été élu par toi dès avant la fondation du monde, mais aujourd'hui il t'applique que nous soyons manifestés à travers la voix du septième ange. C'est ainsi que nous demeurons dans ce message du temps de la fin, à qui tu as envoyé aux élus du dernier jour pour connaître le programme de Dieu sur la terre aujourd'hui. Merci Seigneur pour l'avenir de Malachi 4. Merci pour ton amour infini. Merci pour toutes les bonnes choses. Merci pour cette lettre d'amour, ce message glorieux, puissant, dont le monde ne connaissait plus. Mais pour des élus, c'est une grande bénédiction. Oh Dieu, sois béni pour cela. C'est ainsi que Seigneur, quoi qu'il arrive, quoi que le moment arrive, dans les bons et dans les mauvais jours, nous chantons jusqu'au bout, nous allons te suivre. Il n'y a rien qui va t'écarter de ta volonté. Aucune chose
ne peut nous retirer de ce message. Que ce soit l'argent, la, oh, les quoi ceci, oh, la pauvreté, oh, le manque de ceci, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu, c'est la meilleure chose qui inonde notre âme. Sois béni à jamais. Merci pour la parole de ce matin. Merci pour ta présence. Il est écrit, appeler Jésus sur la scène. Nous voici dans une scène, dans un travail où ça demande ta présence, Seigneur. Descends ce matin. Prends le contrôle de toutes choses. Conduis la réunion. Conduis la parole du début jusqu'à la fin, afin que l'honneur et la gloire te reviennent. Oh notre Dieu, si quelqu'un était venu faible, nous les déclarons fortifiés au nom de Jésus-Christ. S'il y a des gens qui ont venu avec des problèmes, que la parole va sortir, que cela apporte la solution à tous les problèmes qui sont venus ici ce matin. Tous ceux qui sont malades, peu importe la maladie, ce sont des démons. Nous ordonnons à Satan de libérer le peuple de Dieu et qu'il soit guéri au nom de Jésus-Christ. Seigneur, accordez cela. Je prie pour le frère Kalendan Maki Samuel qui aura le cas d'opération sur le tumeur. Oh Dieu, toi le grand médecin, tu puisses l'assister pendant ce moment. Que ta main se manifeste, tu puisses le guérir, Seigneur Dieu bien-aimé. Et que quand cela va bien passer, l'honneur et la gloire te sera rendu. Je pense à tous ceux qui sont aux hôpitaux, ceux qui sont en maternité. Oh Dieu, que ta main soit sérieuse, mon Dieu, mon roi. Quand tu vas visiter l'épouse partout dans le monde, ce matin, en commençant par le Branham Tabernacle, souviens-toi de nous ici à Fellowship et Tabernacle. Nous avons besoin de ta présence. Oins-nous d'une manière particulière. Que l'onction qui est venue dans l'ouverture du septième sceau puisse remplir cette salle. Et que le Saint-Esprit se mouvoie du haut de la chair jusqu'au dernier banc parmi les enfants de Dieu. Nous avons besoin de toi. Parle-nous intérieurement. Quand nous allons quitter ici, que chacun puisse dire, notre Dieu nous a rencontrés et nos cœurs étaient aidés lorsqu'il nous parlait. À toi la gloire. À toi l'honneur, à toi les acclamations, parce que tu le mérites au siècle des siècles. Oh Dieu notre Père, sois béni pour cela. Bénis l'ange de cette église, notre précieux pasteur, racheté au Meyonga. Soutenez le Seigneur. Nous pensons à lui et sa famille. Garde-les, environnez-les. Bénis les veuves, oh Dieu bien-aimé. Que ce soit du pasteur Richard, le veuve, du pasteur Gédéon. Tous nous les abandonnons à toi, Seigneur. Car il est écrit, tu es le mari de veuve et le père des orphelins. Soutenez-le, Seigneur. Garde-le. Quoi qu'ils nous ont présenté dans la gloire, un de ce matin, nous allons nous retrouver dans l'endroit dont la plus meilleure cité où la joie inondera sans cesse, Père bien-aimé. Nous sommes très heureux de savoir que tu vas nous visiter ce matin et nous croyons que ta présence sera pour nous un honneur ce matin. Oh, et moi et mon interprète, écarte-nous du chemin, prends place et parle à ton peuple. Merci Dieu notre Père. Merci. Merci pour tout. Sois loué, sois béni à jamais. Accorde-nous ta faveur. Guéris aussi ma santé. Rétablis-moi totalement pour ton travail, ton honneur et ta gloire. Au nom de Jésus-Christ ressuscité, nous avons ainsi prié. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Naweza kuikala. Je voulais un peu Niripenda parler sur quelque chose. Semezea kitu fulani. Ce sont des juste je voulais intervenir ce dimanche. Niripenda tu kusema vile hii wiki. Comme
un message qui va aussi rester gravé dans ton cœur. Sa ville où Jumbe yen en pacha obakia ndani ya moyo wako. Au mémorial du temps dans lequel nous vivons. Wakati yetu tunakuwa naishi. Paul dit, Paul anasema, veillons les uns sur les autres. Tukeshe wamoja juu ya wengine. Pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Juu ya kutuonya kuile mapendo na matendo mema. N'abandonnons pas votre assemblée. Tu chache kanisa yetu. Comme c'est la coutume pour quelques-uns. Sa vile na kuwa nikisela wala zoezi kwa ajili ya watu wengine. Peu importe le problème arrive. Aizuru mambo yatafika. Peu importe les difficultés. Aizuru matatizo. Peu importe les secousses dans l'église. Aizuru mambo ndani ya kanisa. Mais toi, lakini wewe, n'abandonne pas votre assemblée. Uchachie kanisa yako. Parce que c'est votre. Kwani ni kanisa yako. Comme c'est la coutume de quelques-uns. Sa vile na kwa nikisela kwa ajili ya moja. Mon frère, nduku yangu, la parole dit, neno inasema, mais exhortons-nous réciproquement. Lakini tuanze kujionya wamoja na wengine. Et cela d'autant plus. Na ile kufuatana na. Que vous voyez s'approcher le jour. Kufuatana na vile muku naona siku mukaribia. Lorsque Paul parlait aux Hébreux. Wakati Paulo alikuwa anasema na wa Ebrania. Il s'adressait à nous. Alikuwa njo anatuelezea shie. Parce que le jour dans lequel il parle, c'est le jour où nous vivons. Amen. Amen. Nous voyons les jours s'approcher. Nous voyons les signes. Nous voyons tout. Premièrement, nous avons le signe véritable. Frère Branham dit, à chaque fois que Dieu veut détruire le monde, le premier signe, qui est le vrai signe, c'est la venue d'un prophète. Quand le prophète apparaît, ça montre que c'est la fin. Amen. Amen. C'est ça le vrai signe. Et après cela, il y a aussi des signes côté na malama ingine que Dieu a écrit inye Mungu aliandika dans sa parole ndani ya neno lake que on va le voir na tutaiona. Aussi quand Jésus est venu, Joma, na wakati Yesu alikuya, il a dit aux pharisiens, alibaonesha wafarisayo, vous savez discerner, munajua kufafanua, le signe du temps, ma wakati, ma malama ya wakati, comme il y a le soleil comme ça, kisi kuna kwa jua hivi, comme il y a des oiseaux, kisi kuna kwa ndeke, kuna kwa kifulani na kifulani, mais vous ne voyez pas, lakini amuone, le signe du fils de l'homme, ile alama ya mwana wa mtu, oh le signe du fils de l'homme, ijapo ile alama ya mwana wa mtu, est-elle le véritable signe, ilikuwa ndio alama ya ukweli kabisa, et lorsque ils n'ont pas tiré attention. Lakini wao barilengama pale. Et ils ont manqué la chose. Na pale barikosa kuona kile kitu. Titus était venu. Kristo mnyari kuya. Titus était venu. Titus alikuya. Et il a massacré Jérusalem. Na aliharibu Jérusalem. Parce qu'il n'avait pas tenu. Kwani yeye lwake. A regarder. Ashukuke kwa ngalia ile alama. Nous voyons les jours s'approcher. Tunaona ile siku mukaribia. Aujourd'hui, Léo, c'est le temps dans lequel ni wakati, on devrait chercher Dieu avec toutes les forces. Yote. Parce que vous voyez kwani muku naona, le temps actuel du monde. Naona, ali ya dunia ya nous sasa. Voyons naona, ce qui se passe mambo nye kupanika, et par rapport à la prophétie. Na kufuatana na unabii. Les choses avancent très vite. Mambo inakuwa naenda mbio kabisa. Mais au lieu de s'approcher de Dieu. Sasa pale ya kukaribia Mungu. Au lieu d'être dans le poste du devoir. Pale ya kusimamia pafua shia kwa kazi. Au lieu d'avoir la joie. Pale ya kuwa na furaha. La soif de Dieu. Ile kiu ya Mungu. Mais aujourd'hui. Lakini leo. Nous sommes en train d'être détériorés. Tuku tu pale mukurudi nyuma. Nous sommes en train de se reculer. Tuku mukurudi nyuma. Nous avons perdu le zèle du départ. Ulipotesha ile bidii ya kumwanzo. Nous avons perdu la joie. Alors que David dit, Daoudi anasema, ne me perde pas la joie du salut. Ne retire pas ça dans ma vie. Ushitoshe ile furaha maisha yangu. Hallelujah. Amen. Mais aujourd'hui, lakini leo, nous sommes devenus tunakuwa pale, si faibles. Tunakuwa tu bazaifu. Venir à l'église ça devient un problème. Kuya kukanisa inakuwa ni matatizo.
Où en sommes-nous arrivés? Parce que Frère Branham l'avait dit. La Bible l'avait prédit. L'amour du plus grand nombre se refroidira à cause de la croissance de l'iniquité. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Le monde n'entend rien. Le monde n'attend rien. C'est que le monde attend aujourd'hui. Hakuna kitu kile dunia hii inaongojea leo. C'est que le monde attend. Ile dunia hii inaongojea. C'est la manifestation. Ni maonekanisho. Des fils ya wana. Et des filles de Dieu. Na wapinti wa Mungu. Parce que kwani wao connaissent les jours, wanajua ile siku. Parce que ils sont enseignés pour les jours, kwani bali bafundisha kujua ile siku. Mais pour les autres, lakini kwa ajili ya wengine hakuna kitu. Mais regardez, sasa mwangalieni combien nous sommes devenus faibles. Mwangalieni mara ngapi tunakuwa wadhaifu. Sommes devenus tellement faibles, tunakuwa wadhaifu zaidi. Trop faible même. Zaidi wazaifu. Aujourd'hui, leo, on enregistre partout. Banakuwa na rikoti fashi yote. L'église devient seulement pour le dimanche. Kanisa inakuwa ni mpaka siku ya yenga. C'est parce que la parole dit. Ile haina njoo ile neno inasema. Madame anasema, je ne peux pas regretter. Mungu hawezi kuzunika. Parce que je sais que la Bible dit. Kwani najua kusema, sera la condition de Laodicée. Itakuwa njo hali ya Laodikia. Les gens deviendront froids. Watu watawa kibaridi. Tiède, ni chaud, ni bouillant. Batakuwa bila kutokota, bila kuwa baridi. Mais nous ne sommes pas dans Laodicée. Lakini hatuna ndani ya Laodikia. Dieu nous a retiré là. Mungu alitutosha ndani ya Laodikia. Et nous sommes dans un niveau élevé. Tunakuwa mkiwango kia juu. Dans un ange plus glorieux. Tunakuwa naishi katika kizazi ya utukufu zaidi. Où Christ lui-même règne. Ule kwenye Kristo yeye peke kuna tawala. Peu importe. Aizuru. Nous continuons toujours tukuna endelea à redresser na kuonya. Ce matin, ya subuhi, je vais vous dire, utapenda kumionesha, n'abandonnez pas votre mushache kanisa yenu. Prédication, l'église et sa condition. Katika mahubiri kanisa na hali yake. Ok, c'est le 5 août 56. Tare atano mwezi ya mnane mwaka ya 56. Paragraphe 5. Aya yake ya 5. On va descendre. Ainsi donc, je suis venu pour avoir juste un ou deux jours de repos avant de partir. Directement pour le nord de Saskatchewan. La semaine prochaine, jusque là à Prince Albert. Les routes ne vont pas plus loin. Mabarabara aende mbari. Il n'y a plus de route à partir de là. Hakuna mabarabara kutokea ile fuashi. On traverse tout cet endroit sans route. Tunafuka ile mafuashi yote bila mabarabara. Seuls les Indiens et les Esquimaux habitent ces régions de l'intérieur. Mpaka wa Indi na wa Eskimo njo wanakuwa na gate kule ile ngambo. Ils sont plus loin que là où nous irons cette fois-ci. Beko mbari zaidi kushindia ile fuashi tutaenda. Ainsi, basi hivi, nous, chie, beaucoup de gens batu mingi, venant de tous les coins du Canada, benye kutokea ngambo yote ya Canada, seront à cette réunion. Batakuwa kuile mkutano. Certains parmi eux ilikuwa ni katikati yao, feront la traversée depuis la côte ouest. Batafuka kutokea ile ngambo ya mangaribi. Dit-on,
mpaka venant de partout. Bataka na tokia fois chiote. Et je désire na natamani certainement que vous priez pour moi. Natamani mnyombe kabisa. Afin que Dieu vienne parmi nous. Ndio Mungu akuye katikati yetu. Et nous donne une grande merveilleuse réunion. Na tupatie mkutano ya mnene na ya majabu. Pour sa gloire. Dieu a utukufu wake. Ça fait environ 4 ou 5 ans. Kuna kwa miaka 4 wala 5. Je suis allé au Canada. Mwenye niliendaka kule Canada. Et j'ai des amis vraiment fidèles là-bas. Kule ni kuna barafiki baminifu kabisa. Ce sont de très braves gens. Ni bantu bashuja. Et ils sont donc très fidèles. Na basi beko baminifu kabisa. Pour aller à l'église. Ya kwenda kukanisa. Ils sont quoi? Beko nini? Ils sont donc très fidèles pour aller à l'église. Peu importe combien il fait froid, ils s'envelopperont dans une couverture et installés sur un traîneau tiré par le cheval. Ils parcourent. Ils parcourront 50 km. Batakwa na tembea 70 km. Pour aller à l'église. Dieu a kwenda kufika kanisa. Ils traverseront. Batakwa na fuka. Les amoncellements. Beko na fuka mafuashi. De neige et autres. Beko na fuka mafuashi ya mabarafu na jeune et vieux. Bijana na wazee. Ils s'assemblent tous. Beko na kusanika bote. Et une famille va chercher l'autre. Na jamaa moya anaenda anatafuta ingine. Et elle se met à marcher. Na wao wanaanza mwendo. Et elle part. Na banapita. C'est le sacrifice. Ni kujitolea. Il consente. Inye beko nafanya. Il fait qu'il retire beaucoup de la réunion. Jo inye inafaa kusema bafaidikie zaidi na makutano. Mais je vois les gens sont en train de dormir. Lakini naona bamoja hapa bananza kulala hapa ni mambo gani? Mais le climat est très bon. Shi asilia iko mzuri. Ali iko mzuri atuyahubiri mnaanza kulala. Ça c'est quoi? Ni mambo gani? C'est le sacrifice qu'il consente qui fait qu'il retire beaucoup de la réunion. Quand il n'y a pas de sacrifice, wakati hakuna kujitolea, on ne retire pas grand chose hakuna faida ya kabaila de la réunion. Kutoka mkutano. Amen. Amen. Il faut vraiment vous y mettre. Inabidi mjikaze. Et faire quelque chose. Na mufanye kwa kitu fulani. Il fait très mal. Inye inauma. Voir mettre de côté. Sa moja certaines choses. Kutia kwa pembeni makazi mengine. Arrêter le travail. Na kuacha kutumika kazi. Et faire ceci. Na kufaa hii. Ou cela. Wala kifulani. Pour parvenir. Jutu ya kufikia. Aller à l'église. Kwenda kanisa. Et à montrer. Na ku et à montrer à Dieu na kuonesha Mungu kama que vous l'aimez kama unampenda. Et quand vous faites un sacrifice na wakati unajitolea vile pour aller Dieu a kuenda, c'est alors mwile wakati que vous en retirez quelque chose utafaidikia kwa kitu fulani. Amen. Amen. Est-ce que vous suivez Frère Branham? Les Esquimaux. Parlez pas Esquimaux. Les Indiens. Parlez pas Indiens. Frère Branham est au Canada. Nous Branham coule au Canada. Il donne la distance où les gens vont parcourir. Et qu'on a semezé à ma kilomètre, il y a watu na tembea. Dans des neiges. Dans ma barafu. Ils vont marcher dans des jungles. Mais qu'on a tembea ma pori. Pas de route. Hakuna mabarabara. Des amoncellements partout. Ni mama fashion tshaka kachika kachika. En ce temps-là. Mwile wakati. Mais il pouvait marcher 50 km. Sa barbie ça kutembea 70 km wa mkulu. Et ils ont mis les enfants. Na barikia batoto. Mwile magari. Tena tire. Na frasi kumkwabulula.
avec des froids. Na ile baridi. Comme il est couverti. Pacha rifunika. Cette famille. Il est jamais. Va aller chercher une autre famille. Jamais il n'est dans la tafta jamais ingine. Il est jamais. Va aller chercher une autre famille. Dans la tafta jamais ingine il est. Bana jikusanisha. Et il commence à aller à l'église. Na bananza mwende mkwenda kanisa. Doit kwenda usikia neno. Le problème dit. Sasa bana anasema. Vous mettez le sacrifice. Wakati wewe unajitolea mule namna. Il reçoit beaucoup. Pale basi bana faidikia mingi. Parce que pour servir Dieu. Ni njoo kutumikia Mungu. C'est une vie de sacrifice. Maisha ya matoleo. Mais peut-être que toi ici sasa, pour venir à l'église tu as kanisa, il n'y en a pas 50 km. Sa moja una tana 50 km. Et si les gens marchaient à pied sasa, 50 km pour venir écouter la parole. Regardez votre distance. Angalia ile distance yako. Et fellowship. Na fellowship. Il est fois chez Kala. Jusqu'ici à fellowship. Na papa fellowship. C'est combien de kilomètres? Ni mabilomètre ngapi? Mais lakini comme ça devient votre coutume. Sa ville na kwa ni kisila yako. Vous restez. On a baki alors. Et après? Na kisha. Vous plairez. Unaanza lia. Mambo aendeke bila kwa nguvu. Wakati ya kanisa inatimia. Pas de souci. Au natakule. Vous avez votre heure de venir. Tu na saa yako sha ulitayarishaka ya kuya. Nous savons que dans le message de Frère Branham. Lakini tunajua kusema ndani ya ujumbe wa ndugu Branham. Ndugu Branham alifundisha mpango. Il a donné l'heure où on vient à l'église. Na alisema saa yenye banakuyaka kwa kanisa. Est-ce que c'est l'écriture? Eti ni andiko. Mais lakini chacun de nous kila mmoja miongoni mwetu a son heure. Anekalaka lake na saa yake. Quand vous faites, wakati, vous devez voir que utaona, ces gens ici, c'est des hommes comme nous. Balikuwa ni bantu, bakawaida kama sisi. Ils faisaient des sacrifices. Balikuwa anajitolea. Et ils ont retiré beaucoup à la réunion. Na balikuwa anafaidikia mingi kuile mkusaniko. Et Frère Branham dit. Na ndo bwana anasema. Il devait mettre tout en ordre. Baripasha tayarisha kila kitu. Il devait tout arrêter. Baripasha kuacha kila kitu. Il devait arrêter même le travail. Hata kazi barikuwa anashimamisha. Kuacha kwa bifulani na bingine vyote. Vous allez voir l'heure de l'église. Utaona wakati ya kanisa. Encore de la vele sabi. Ye ule kuna fula. On est en train de faire ceci. Ye ule nafaki fulani. On est en train de se tirailler. Ye ule na kululana kule. Le prophète dit. Asa nabia nasema. Vous devez tout arrêter. Baripasha kuacha kila kitu. Même le travail. Hata kazi nye. Arrêtez. Tuache mbele. Pour aller à l'église. Wenda kanisa. La boutique ferme. Vous continuez à vendre. L'église, on a déjà commencé à chanter. Tu es là entouré de gens en train de vendre. Ukunendelesha na kuzisha. Kanisa basha kwanza kuimba. We ule sha kushungulukwa na bantu unauzisha. Que Dieu t'aide. Mungu akusaidie. Écoutez, sikia. La Bible a prédit. Biblia alikuwa shatangulia kusema. Wakati tafika. Et les vendeurs. Na wenye kuzisha. Et l'acheteur. Na wenye kuza. Ne seront pas contents. Wao wote hawasa furahi. Voyez pas que quand le moment de l'église arrive. Mungu anasema wakati natimia kwenda kanisa. Le travail là est important. Wewe uko pale unaona sasa ile kazi ni amana. Nous tirons beaucoup de nuit nous-mêmes. Unajua shibe yenyewe tunaliko kwa hapa. Tano bule. Ndugu na mama alisema yote. Mais nous ne respectons pas ce principe. Sasa wakati atoheshimie ile makanuni. Regardez comment nous reculons toujours. Angalia namna gani tunakuwa na rudi nyuma. Vous savez bien qu'il est déjà 15h30. Unajua sema 15h30 inaisha timia. Vous voyez la distance. Na huku naona ile. Il y a des embouteillages. Na kuna kwa kama embouteillage. Continue à travailler. Lakini, unaendelea na tu es là dans ta boutique, dans ton bureau. C'est ceci. Alors que le moment déjà de l'église approche. Wakati ya kanisa inaisha karibia. Vous avez votre heure. Njuku tuna saa yako. Vous allez venir à l'église. Inye utarikuia kanisa. Selon ton ordre. Kufuatana na mipango yako. Et vous continuez. Na unaendelea. Non, mon frère. Apando, et tu es à l'église. Na huku kanisa. Le téléphone n'est pas fermé. Ile simu yako au ifunge. Parce qu'on va vous appeler. Kwani samu haya hivi atakuja. Et vous allez quitter pour partir. Na utatoka hivi unaenda. On ne joue pas avec Dieu. Mungu huyu abamchukia. On doit honorer Dieu. Inabidi kumheshimia Mungu. Si y a quelqu'un qu'on doit honorer. Ku mtu wa kuheshimia. C'est Dieu. Ni Mungu. Tu es là à l'église. Huko kanisa. Tu es avec le WhatsApp. Wewe unachati.
pas avec Dieu? Mungu, aba mchenze yake. Vous savez, aujourd'hui, l'église, pour voir les gens, c'est le dimanche. Si on arrive le mercredi, il n'y a pas les gens. Ils sont allés où? Ils sont ici. On n'a pas appris des requêtes des malades. Que Dieu le fasse grèvement, que le serre malade. On doit prier. On n'a pas eu ça. Mais ils sont en train de dire un milagre. Dieu te bénira. Mungu atakubariki par rapport à tes sacrifices. Kufuatana na namna yako kujitolea. Amen. Amen. Ah. C'est juste comme mes enfants. Inakuwa sa vile batoto yangu. Billy Paul, je pense que je n'ai rien obtenu quand j'étais un gosse. Maman, c'est pourrait peut-être mama inawezekana connaître les bonbons et elle en distribuait deux ou trois chacun. Na anaanza kukaburia kila mtoto mbili wala tatu. Peut-être que pour Noël, Samoja, on recevait une petite trompette, Samoja, Noël, un fer blanc, ou un petit pistolet, un capsule ou autre chose. Kabunduki, wala kintu kia vile. Et j'ai vu d'autres enfants na niriona avec des traîneaux et des bicyclettes, beko na tumankinga, na bingine, des bons vêtements, les mavazi ya mzuri, et des bons vestes chaudes, na mankoti ya mzuri. C'est là mes chagrins. Il est quoi n'a ni pas uzuni. Tellement. Il quoi n'a ni pas uzuni. Ça n'est quoi nasema. Si jamais. Comme tout. J'ai des enfants. Ni kuna watoto. Je ferai tout ce que je peux pour eux. Tabafanchia yote yenta weza kufanya kwa ajili yabo. Bien. Mzuri. J'aurais été disposé à me priver de nourriture. Niweza kuwa tayari kukatala takula. Pour avoir quelque chose pour mes enfants. Kwa kupata tu kintu fulani kwa kupatia watoto wangu. Et lorsque je vivais. Quand Billy n'était qu'un petit garçon, je lui ai acheté un petit tricycle et je lui ai tout donné. Il m'aida à essayer tout jusqu'à se priver de vêtements et tout le reste pour lui procurer quelque chose. Mais savez-vous ce que nous avons fini par découvrir? Je lui ai procuré un petit tricycle et un petit arc de flèche et tout. Je l'ai trouvé avec une cuillère ou un bâton dehors dans l'arrière-cour faisant quelque part. Voyez, je dis les prochains ne seront pas comme ça. Et si vous mettez tout dans les mains des gens, ils ne veulent pas. Ça doit être quelque chose pour lequel on a fait un sacrifice. Deuteronome parlait de leur état. Quand ils grandissaient la pauvreté, pendant les fêtes des enfants, d'autres enfants ont leur acheté des bons cadeaux, des bicyclettes, des choses, mais comme il n'y avait pas moyen pour eux, on leur achetait un petit bonbon, des petits trucs comme ça, tuloko, parce que la vie était difficile. Kwani, birkwani bya ngufu. Mais il a dit à Dieu, kwa, basi, un Mungu, jour, siku moja, si j'aurai des enfants, kama tu ntapataka watoto, je ferai tout pour eux. Tajipikanisha kwa ajili yabo. Je vais faire tout. Yote je vais faire le sacrifice. Tajitolea kabisa. Pour les élever. Njua kukubalea. Afin qu'ils croient bien. Njua bakome mzuri. Et il en est de même du sali. C'est un sacrifice complet. Oui, féroï. Kabisa, ndukuroi. Voyez. Unaona? C'est un sacrifice. Ninakuwa ni kujitolea. Que vous devez faire tous les jours. Unapasha kujitolea kila siku. Quelque chose que vous devez faire.
kitu kinyo napasha fanya pour vous approcher de Dieu kukaribia Mungu. Et je sais que nani ile c'est un sacrifice ni nakuwa ni kujitolea tous ce matin kwa ajili yenu ni bote ya asubuhi d'être assis dans cette salle kuya hivi benye kukala mwili chumba ya kivukutu. Comme nous sommes ici, pensons au plus grand sacrifice qui ait jamais été donné à l'homme de faire. C'était Jésus Christ. Quand il a été ordonné à venir sur la terre pour mourir à notre place. Non seulement cela, aina paka ile, mais son âme est descendue na tena nafsi yake ilishuka jusqu'en enfer kule katika zimu, et il est resté 3 jours na alibakia masiku tatu, et 3 nuits na usi, na et le troisième jour na ile siku ya tatu, il est ressuscité akafufuka, et donc est monté en haut na alipanda juu, c'est assis à la droite de Dieu na alikala kuume ya Mungu intercédant pour nous mwenye kutuombea qui confessons sisi benye kukiri son sacrifice expiatoire zabiu yake ya maondoleo ya zambi et sa grâce qui nous a été offert na neema yake nye ilitupewa pour le salut kwa ajili ya wokovu c'est une vie de sacrifice inakuwa ni maisha ya kujitolea un sacrifice complet. Il est coutolé à quoi qu'enea. Ce n'est pas à moitié. Aïna nusu. Un jour à l'église. Si kumoja au kanisa. 3 jours à l'extérieur. Masi kuingine uku inje. 2 jours à l'église. Si kumbiri au kanisa. 1 mois à l'extérieur. Mwezi moja inje. Le sacrifice doit être complet. Il est matolé ou inapasha kwa kweneana. Un sacrifice matolé ou ya kwenea. Votre assemblée. Il est kanisa yako. Vous êtes là le mercredi. Ukupale mkazitano. Vous êtes là le vendredi. Ukupale mkazitano. Tu es là le dimanche. Ukupale siku ya yenga. Tu as le temps. Ukuna wakati. Tu viens la journée pour la prière. Unakuwa mjua maombi. Les portes sont toujours ouvertes. Milango inakuwaka wazi. Fais le sacrifice. Kujitolea. Dieu aussi, Mungu pia, va vous assister. Atakuzuria. Mais aujourd'hui, lakini leo, il n'y a pas ça. Il est bien vide à binako. Nous faisons autre chose. Tunafaka tuni bingine. Eh bien. Là-bas où nous allons, il y aura beaucoup de gens très pauvres. Vraiment pauvres. Ils auront à vendre une de leurs vaches. Et ou trois de leurs brebis. Ou quelque chose d'autre. Pour pouvoir venir à la réunion. Le vieil Eskimo. Bale baba eskimo wa zamani. Apportera probablement certaines de ses peaux. Ule eskimo wa zamani atakuwa pour le vendre. Juu ya kuyuzisha. Dont il avait vraiment besoin pour sa famille. Ile yenyewe alikuwa anahitaji kabisa juu ya jamaa yake. Afin de venir. Ile yote njuto akuye. Le marchand indien. Ule wakufa biashara wili. Devra faire autant. Atafa vile vile. Maintenant. Sasa. Nous pouvons au moins prier. Sasa tunaweza kuombea kwa baba yetu. Sasa yeye nous prions Dieu. Na tunaombea baba yetu. Donne quelque chose de gloire. Abapachia kitu kia utukufu. Ce sont des gens pauvres. Ni batu ba maskini. Pour venir à l'église. Njoo kwa kanisa. Pour venir à la réunion. Njoo kwa kumkutano. Il y avait beaucoup de sacrifices. Kulikuwa kujitolea mingi kabisa. Mais aujourd'hui allez, toi pour venir à la réunion, oui, ça ne demande pas beaucoup. Aïkoulombe à ta bien mingi, aïkoulazimiche bien mingi. La voiture, la voiture. Samoja ou nagari. Tu n'as même pas, mais tu as même le transport. Samoja, comment on a payé le transport? On est sur une patate taxi. Marcher à pied. Voilà, on est sur Tembea. Pour venir écouter la parole. Tu as quoi que si qui a néanmoins Mungu. Lakini vous abandonnez la réunion. Unaacha tu mkutano. Vous restez à la maison. Unabakia kumlango. Sans se soucier. Bila kushutuka. Quand vous commencez à arriver à ce niveau et que vous absentez de l'église sans se soucier, il y a quelque chose qui va mal. Kuna kwa mambo fulani haendeke mzuri.
y a quelque chose qui va mal. Kuko kitu fulani akiendeke mzuri. Les instructions de Gabriel à Daniel. Madibisho ya Gabriel kwa Daniel. Le 30 juillet 61. Tarehe ya 13 mwezi ya 7 mwaka ya 61. Beaucoup, paragraphe 3. Kifungo ya 3 taisoma. Écoutez. Msikilizeni. Beaucoup de nos ancêtres. Bababu yetu ba mingi. Restez dehors. Barikuwa na bakia inje. Sous un soleil accablant. Chini ya jua ya nguvu. J'aimerais que vous lisez avec moi. Mtapenda tusome pamoja. Regardez là-bas les. Mwangalieni kule. Vous lisez ensemble avec moi. Mwanze kusoma pamoja nami. Beaucoup de nos ancêtres. Ba mingi katikati ya wababu yetu. Restez dehors. Barikuwa na bakia inje. Sous un soleil accablant. Chini ya jua ya nguvu. Quand je pense, wakati ni unafikiri, m'excuser auprès des gens, kwanza kujua razi mbele ya watu, c'est que nous avons, kuhusu, nous n'avons pas de salle climatisée. Kuhusu itu kunayo, hatuna na chumba yenye kuwa na maklimatiseur. Mes pensées se tournent vers l'Afrique. Mawazo yangu yanaenda moja kwa moja ku Afrika. Parce que les gens veulent que la réunion termine vite. Kwani watu wanakuwa na upenda. Parce qu'il y a la chaleur. Njoo kunakuwa kifukutu. Il y a ceci. Na kunakuwa kifulani. Alors, terminez vite la réunion pour que nous. Sasa, malize kwa haraka kunakuwa kifukutu twende. Ndugu wangu anasema. Mais nos ancêtres. Lakini wababu yetu. Sous un soleil accablant. En train d'écouter la parole de Dieu. Mais si je dois m'excuser. Quand nous s'excuser aux gens. Le temps est passé. Wakati naenda, je pense. Mes pensées se tournent en Afrique. Yangu naenda, toujours vers l'Afrique. Où il restait là. Kule barikuwa na bakia pali. Sous ses orages. Chini ya mamvula. Et les femmes avec les cheveux qui leur tombaient sur le visage. Na banamuke na manywele shakubangukia kuuso. Il y restait la jour et nuit. Barikuwa na bakia pale usiku na mchana. Sans jamais quitter l'endroit où ils étaient. Bila kutoka ile fwashi barikuya. Sans manger. Bila kula. Sans boire. Bila kunywa. Ni rien. Hakuna kitu. Il y restait juste là. Na barikuwa na bakia tu ni pale. Simplement. Paka pale tu. Pour saisir de temps. Juu ya kupokea. Une parole de Dieu. Neno la Mungu. Quand Branham est venu en Afrique. Wakati Branham alikuwa mu Afrika. Je vous avais parlé. Nilimionesha. Bien avant. Les gens étaient à Maranatha Park. Bantu barikuwa kule ku Maranatha Park. 100,000 personnes. Watu maelfu mia moja. Reni. Basha kusanika. Et quand Branham est arrivé à New York, na wakati Branham alifika kule New York, on l'a bloqué à cause kule, du vaccin. Jutu ya vaccin. Alors il devait voyager le 3. Ni kusema alipasha kusafiri le 3. Quand on lui a donné le vaccin, sasa wakati barimuchoma il faut 3 jours. Ilibidi kuchunga masiku 3. Maintenant l'équipe d'avance est allée. Sasa ile timu ya kwanza ilitangulia. Maintenant lui est resté avec Billy Paul. Yeye alibakia na Billy Paul. Parce qu'il devait attendre les 3 jours de la vaccin. Alipasha kuchunga ile masiku 3 ya ile. Maintenant le 6 octobre. Sasa ile 6 octobre. 1951. Mwaka ya 51. Branham va atterrir en Afrique. Du Branham akafika mu Afrika. Kule Afrika Kusini. Mais quand les gens sont venus attendre Branham. Wakati watu walikuwa kumongojea ndugu Branham. Dans le parc. Balikuwa kule katika park. Sous le soleil. Chini ya jua. La pluie et le quoi. Mvula na jua byote. Quand vous avez trouvé la place. Ile wakati tu unashapata fwashi. Il y a pas moyen de quitter. Hakuna namna kushimama tena kutoka. Que la pluie tombe. Mvula nyeshe. Quoique ce soit. Mvula ipike. Il ne pouvait pas se déplacer. Kwa namna ya kutoka pale. Parce qu'il devait attendre jusqu'à ce que Febranam. Kwani alipasha uchunga mpaka pale ndo anafika. Sans manger. Bila kula. Sans boire. Bila kunywa. Sans rien. Bila kitu. Juste rester là. Mpaka kubakia pale. Pour attendre uchunga, la parole du Seigneur. Neno la Bwana. Et jusqu'à ce que Febranam. Na mpaka pale ndo Branham arifika. Arifika le 6. Je peux me souvenir du Mexique. Naweza kumbuka Mexique. Où il faisait tellement chaud. Kule kunye kulikuwa ni kivukutu. Que
va exagérer. Kivuko tu kiripita mo. Étant dans une chambre climatisée. Na nilikuwa katika chumba ilikuwa na climatiseur. Je cherchais à m'en vanter toujours. Lakini nilikuwa natafuta paka namna ya kujipepula. À m'en vanter tellement. Zaidi. Il faisait chaud. Zaidi kulikuwa kivuko tu. Et de voir les gens se rendre dans cette grande arène à 9h du matin, 9h ya asubuhi, et pas de siège pour s'asseoir. Des gens malades, vraiment malades, des malades à l'agonie, des cancers, des tumeurs, des mères malades, des petits bébés mourants, et tout déboula même sous un soleil accablant, pas d'ombre nulle part. Il s'appuyait les uns contre les autres. De 9h du matin jusqu'à 9h du soir. C'était 21h. Rien que pour écouter pendant 30 minutes. Par un interprète et pour voir les œuvres du Seigneur, il restait là, attendre, revêtu de grands vêtements lourds qu'il portait en hiver comme en été. C'est tout ce qu'ils avaient. Les gens sont allés adorer au Mexique. Bantu barienda kule kuabudu kule ku Mexique. Il est grand de réunion de Frère Branham. Ile mkutano kubwa ya ndugu Branham. Les gens sont venus depuis 9h. Bantu barikuya barifika tokia 9h. Pas de chaise comme ça. Akwata beach vile mshawikala pale. Debout. Basha shimama kuima. Depuis 9h. Tokia 9h ya asubuhi. Jusqu'à 21h. Paka 21h. Est-ce que vous écoutez Frère Branham? Eti. Muna msikiliza ndugu Branham. Depuis 9h du kutokia 9h asubuhi jusqu'à 9h du soir mpaka 21h usiku, pas de chaise, bila biti, pas de place, akwe mafuashi, debout, acha nikusimama hivi. C'était comme ça. Njoba anaanza kutegemea huyu anategemea mwenjake. Et depuis qu'ils étaient comme ça, tangu walikuwa pale pour attendre l'arrivée de Frère Branham. Frère Branham vient arriver. Branham anafika à la campagne de Mexique. Anafika kule ku Mexique. Il entre à 15h. Anafika 15h pour apporter la parole. Njoba kuanza kuleta neno. Madakika 30. Na kisha pale uponyaji. Depuis 9h. Kutokea 9h. Ils étaient là debout. Bantu walikuwa pale. Sous le soleil. Chini ya jua. On leur demande. Sasa walikuwa wanaswali. Namna gani mbona wakia vile? Tu kuna mchunga ndugu Branham. Kule kutela parole. Et ce sont des sacrifices qui font que ces gens étaient bénis. Dieu les a bénis. Dieu les a soutenus. Mais aujourd'hui, faire le sacrifice, il y a la place pour s'asseoir. Mais on vient en retard. Et vous venez aussi, vous dormez. Vous mettez les pieds comme ça. Et vous restez là. Na, vous ne chantez pas. Awimbe. Vous ne faites aucun mouvement. Pas d'amène. Tu es venu faire quoi? Qu'est-ce que tu es venu faire? Nini. Comparez-vous à cela. Ujilinganishe na ile. Ils étaient des humains comme nous. Barikuwa binadamu kama vile shie. Ils ont consenti lakini, de sacrifices pour servir Dieu. Peut-être que ça paraît pas bien, sa moja, mais ça peut aider quelqu'un ce matin. Muzuri, lakini ilizi kusaidia kwa mtu. Ils avaient consenti. Bari jitolea. Pour écouter la parole de Dieu. Jua kusikia neno la Mungu.
Et puis je me souviens Nakisha, nakumbuka, de ce qui était étendu là-bas. Nakumbuka, kubale, dans ces jungles. Comment on faisait venir namna, ces malades? Je ne pouvais même pas boucher. Abakwezi hata kutenga. Et en Inde, na kule India, où on les attassait, kule kunye barikuwa na bakusanisha, puis on les plaçait l'un au-dessus de l'autre. Na barikuwa na batia, ba moja juu ya wengine. L'un au-dessus de l'autre. Ba moja juu ya wengine. Ivi. Ils avaient la lèpre. Barikuwa na ukoma. Et des maladies. Na magonjwa kadhalika. Et ils traînaient à travers les rues. Na barikuwa na tembea tembea mikoba. Pour venir. Juakuya. Les étendre sous la câble soleil tropical. Kusimama pale chini ya ile jua kubwa. Sous les orages. Chini ya mvua. Et les éclairs. Na maumeme. Et toutes sortes de choses comme ça. Na ile bintu byote vya kazalika. Il y restait étendu là. Barikuwa na bakia basha urinyolosha pale. Sous le soleil, sous l'orage. Chini ya jua na upepo kubwa. Et tout. Na biote bile. Sans jamais se déplacer. Bila ta kutenka. Ni se plaindre. Wala ta kunungunika. Juste pour essayer de saisir. Ile yote njua kushikako. De temps en temps. Wakati kisha wakati ingine. Une parole de Dieu. Neno ya Mungu. Quelque chose. Kitu fulani. Pour leur âme. Juu ya nafsi yabo. Alors. Bas. Pourquoi faudra-t-il. Kwa nini tapenda? Nous excuser ce matin. Kwa nini tapendeza tuanze tu kuchua alors rasi. Que nous avons un toit au-dessus de nous. Ijapo tuku na majengo juu yetu. Nous avons une belle maison. Tuku tuwa pana nyumba mzuri. Au-dessus. Juu. De la tête. Juu ya kichwa. Et des ventilateurs en marche. Na kuna kwa maventilateurs na tumika. Ce serait honte. Itakuwa ni haya. Qu'on se plaigne. Itakuwa ni haya kwanza kunungunikia mambo ya vile. Oh atei molai. Eh alikuwa na mirefu mahubiri tangu alianza Ile la lela ngonga nyofu. Kuri tomporea saa yote. Matea mkuse. Oh azangi matea. Bantu bafupi asema oh achina na mahubiri. Eh bengine asema oh anapitisha. Sasa nini? Munapenda kutufanye ko nini? Tika. Ici, apa, ce sont les croyants ni wamini, qui viennent avec leur cœur disposé pour écouter la parole de Dieu. Neno la Mungu. Amen. Ah. On ne doit pas se plaindre à tout moment. Pas genre de tomboler, tomboler à sa yote. Ndoku shwende utafute kokuyua kiasho kuyo kanisa ishi ni kanisa yako
Nous, nous sommes prédicateurs. Je suis missionnaire. Donc, passager. Peut-être que vous, vous allez fuir l'église à cause de l'avenir d'un missionnaire. La petite voiture a reculé jusqu'à devant ma porte.
quelqu'un a frappé à la porte. Prêt pour le départ. Prêt pour le départ. Et j'ai dit à ce garçon, il savait parler l'anglais. J'ai dit, y a-t-il des gens là-bas? Il a dit, ah, sema, on ne peut même pas circuler dans le parage. C'était dans un grand stade. Il est baseball. Et je dis, non, vous voulez dire que les gens sont là-bas? Comme ça? Et je dis, dans une tempête pareille, il a dit, il veut l'attendre parler de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette église? Voyez, et alors, na, kisha, je suis allé là-bas, et il y avait des dames, na kurikoa, akina dada, des jeunes filles, kurikoa wa binti, des adolescents, kurikoa bijana, elles ne ricanaient pas. Abakuwe na cheka cheka. Ne riez pas. Abakuwe na keneka. Ne faisait pas claquer les belles de chewing gum. Abakuwe na nakula ile chewing gum. Et ne parlait pas de leurs petits amis. Na abakuwe na semezea tu barafiki yabo rafiki yabo. Elle s'accroche à chaque parole. Na abakuwe na kumbatia kabisa kila neno. Elle ne se déplaçait pas. Na abakuwe na tenka. Elle restait tranquille. Barakuwe na wakia stare. À écouter. Mukusikia. Je fais un appel à l'autel. Nikabaita kumazabao. Je fais juste un à l'autel. Nikabaita kumazabao. Et des milliers se sont levés. Na waelfu wakalamuka. Les yeux pleins de larmes. Mentre yenye kujaziwa na machozi. Comme ça. Ivi. Les mains levées vers Dieu. Mikono juu benye kulamusha kwa Mungu. Implorant miséricorde. Benye kuomba kurehema. Juu ya manasi yabo. Des jeunes filles. Wabinti. Et des jeunes gens de 17 ans, 18 ans. Nabijana ba miaka 18, 17. Oh, il est même difficile d'amener les gens avancés en âge à écouter. Eh, inakuwa ya nguvu kufikisha bantu ba kukomea kuelewa. Vous voyez? Naona. Vous voyez ça? Naona hii. Ça montre que inaonesha kama nous n'avons vraiment pas de quoi nous plaindre. Hatuna na mambo ya kwanza kuhangaika na kujitompolea. Grâce soit rendue à Dieu. Eh, neema imrudirie Mungu. Amen. Amen. Dans le stade, katika ile fwasha chezea kabumbu, la tempête, ile zoruba, le prédicateur lui-même mubiri epeke a enlevé le costume, akatosha koti, il est allé se reposer, akaenda kupumzika, savait qu'il y aura pas la réunion, asema na hii zoruba kusa kwa mkutano. Mais, lakini il s'étonne, anashangaa, et déjà à la porte on lui tonne, anaona bantu kumulango banamkonkolea, prêt pour le départ, eti kutayari njoo akwenda. Branham se demande, Branham anajiswali, vous dites que là c'est ya quoi? Munasema siku nini? On va aller où? Tutaenda wapi? Ni huyu ala reno. Sasa tunaenda umsaliko. Avec cette pluie. Na hii mvula hii na zoruba. Hili. Asema. Oui, frère Branham. Kabisa ndugu Branham. Ni jeune là-bas. Kuku batu kule. Hili yora même pas la place. Asema kule hakusa kwa tafuasi. Pour passer avec la voiture. Ya kupita na hii gari unaona. Vous dites vrai? Asema ni kweli. Et il s'est allié. Na kavuala tena. Et ils sont allés. Na bakaenda. Les gens étaient sous la pluie. Batu balikuwa chini ya mvula. Sous l'orage. Chini ya zoruba. Mais ils disent. Lakini banasema. Nous n'allons pas partir. Atustaenda. Faut que nous soyons ici. Inabidi tubakie hapa. Attendre. Ya kusikia. La parole de Dieu. Neno la Mungu. Si vous avez l'occasion, kama kuna bahati, si y a une occasion meilleure dans votre vie, kama kuna kwa bahati ya mzuri kabisa maisha mwako, c'est lorsque vous arrivez à un endroit, ile wakati unafika pa fwashi fulani, vous écoutez la parole de Dieu, unasikia neno la Mungu, le meilleur moment de la vie, wakati ya mzuri kabisa ya maisha, Branham dit, unasema, le vrai moment de ma vie, wakati ya mzuri ya maisha yangu, c'est lorsque je parle de sa part, ile wakati unasema kwa upande wake. Amen. Amen.
Quand vous avez le temps d'être à la réunion, vous écoutez la parole de Dieu. C'est plus que tout. Ce n'est pas tout. Ce que vous pouvez faire, même si le travail vous procurer $1 million, mais les 30 minutes que vous écoutez la parole de Dieu, vaut mieux plus que cela. Est-ce que je peux attendre un amen? Amen. Ah. La valeur de mon âme. Il est payé à nafsi yangu. C'est 10 000 monde. Ni maule mwengu. Ma elfu kumi. Pour écouter la parole. Joksikia neno. Nous n'allons pas nous plaindre. A tout stage, ton polea. Laissez à se plaindre. Laissez. Mwache bia kunungunika. Le jour où on fait ça, batu bariteseka. Ils ont consenti des sacrifices. Baritolea kabisa. Extraordinaire. Matoleo ya mnene kabisa. Pour servir Dieu. Joakumtumikia Mungu. Peut-être que nous ne sommes même pas arrivés à faire ça. Samoja, atu yafikia hata mwile kipimo. Ton comité? Ah, tu as fait pas? Nous avons aussi quatre. C'est trop nickel, embarré, cabis. Parce que ma joie l'église, c'est pas. Prenez nos autres là-bas. Bande de naokanis, ça va nous lancer, man. C'est sérieux. Barikwa ni baishima. Ils regardaient à leur vie. Ben on engara maisha yabo. Ils ne riaient pas. Abakwe na keneka. Pas de blague. Michezo. Na église. Mukanisa banangariana banacheka. Ils étaient concentrés. Balikuwa pale tayari kabisa. Aucune parole puisse leur passer. Na kusema bashikose usikie hata neno moja. Yo bima watu na yo. Sasa wewe unatokea hapa manakuswali. Atei nini ho? Ni nini barubiri? Balobai kabo ina yo kina. Sasa he, bwana sema tu pia hivi. Sikie, wewe uko hapa. Zo marche avec Dieu. Baritembea pamoja na Mungu. C'est ainsi que Dieu les a récompensés. Na ndio vile Mungu alibaripa mshahara. Aimez la parole de Dieu. Pendeni neno la Mungu. Soyez toujours dans votre assemblée. Mukuwe saa yote ndani ya kanisa yenu. Vous avez bâti cette église. Ulijenga hii kanisa. Pour que ce soit un endroit. Ndio ipate kwa fuashi fulani. Vous allez venir pour rencontrer Dieu. Ule kunye utakuwa na kuya ndio kukutana na Mungu. Et pourquoi vous l'abandonnez? Sasa kinye unayachia ni kintu kani? Attendre, reconnaître et agir sur base de la parole de Dieu. Kusikia, kutambua na kutenda kufuatana na neno la Mungu. Paragraphe 5 à 6. Aya yake ya 5 na 6. Ah, diable. OK. Maintenant, sasa, à vous qui aimeriez prendre votre livre. Kwa ajili yenu mtapenda kuchukua kitabu yenu. Généralement, j'ai constaté que dans les réunions d'évangélisation, mara mingi nilitambua kusema mwile mikusaniko ya injili, 20 ou 30 minutes environ produisent le meilleur impact. Inakuwaka na leta matokeo mzuri kabisa. Y compris un message spirituel. Aizuru ile maubiri ya kiroho. Suivi d'un appel à l'autel. Yenye kufuatana na wito kumazabao. Mais comme celle-ci. Sasa vile hii. Et une école de dimanche. Inakuwa ni musaniko ya siku ya henga. Vraiment pas posséder ainsi ce matin. Mishtapenda kufa vile yasubuhi. Je me sens plus conduit à consacrer mon temps à parler de la parole. Mishongozewe kutia wakati yangu mkusema mambo ya neno. Amen. Ah. Dans la campagne. Nikusema ndani ya mkusanyiko. Vous pouvez aller dans le stade. Ndani ya mtanguzo tunakwenda katika. Tunaweza kuhubiri madakika 30. Vous pouvez aller à l'hôtel. Na tunaita watu mazabao. Vous pouvez aller, y a pas problème. Ni mzuri, hakuna shida. Vous pouvez prier pour les gens. Na kisha pale tunaweza kuombea watu. Mais comme c'est le dimanche. Lakini sasa vile ni siku ya henga. C'est le dimanche. Sasa vile ni siku ya henga. Ndio maana nasema. Je ne dois pas procéder comme la campagne. Sasa sasa vile kumtanguzo. Je vais prendre mon temps. Nitachukua wakati yangu.
consacré mon temps à parler de la parole. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui n'est pas à l'aise, qui est trop froid, ou si tu as sommeil, ou tout ce que vous avez à faire, yote, mon frère, ndugu yangu, le concierge est là au fond de l'église. Kule kumwisho kunakuwa fwashi. Le concierge. Bale ba concierge. Le garde de l'église. Bale ba concierge beko kule. Levez simplement la main. Mwinyue mkono. Comme ça. Ivi. Là au fond. Kule kumwisho. À son intention. Muangalisho yake. Et il va régler la chaleur. Na pale atatengeneza kifukutu wala baridi. Et nous aimerions que vous soyez à l'aise. Na tutapenda mkwe stare. Que vous sentiez très bien. Na mjisikie mzuri. Et que vous suivez les paroles. Na mkwe nafuata neno. Car nous espérons que kwani tunatumaini kama le Saint-Esprit nous enseignera la parole de Dieu. Ule Roho Mtakatifu atatufundisha neno la Mungu. Attendez-vous bien là au fond. Eti kule kunyuma mnakuwa nanisikia mzuri. Est-ce que là au fond vous m'attendez? Kule nyuma eti mnanisikia mzuri. Amen. Amen. Si oui, levez la main. Kama mnanisikia mwinyue mkono. Ok, attendez-vous bien. Ok, mzuri sana. C'est bien. Mzuri. Le dimanche, siku ya henga, nous consacrons notre temps. Tunakuwa natia wakati yetu. Pour la parole de Dieu. Jua neno la Mungu. Amen. Amen. Toza presete. Atukwake baraka presepresi hapana. Si vous avez un besoin, kama unahitaji. Frère Namilati. Duba mama alisema. Levez la main. Nyoa tu mkono. Les diacres sont là, ils vont voir. Bale wa shemasi batakuona. Vous êtes amené quelque part. Manezi anakupeleka huko. Tu as besoin de prendre l'eau. Kama ni kunywa mai. Tu pars calmement là-bas. Unaenda tu kimya kimya. Vous parlez là-bas. Unakunywa. Si vous voulez. Kama unapenda. Que vous soyez à l'aise. Lakini mkwe tu stare. Pour écouter la parole. Jua kusikia neno. C'est ce que Dieu veut. Ni ile njo Mungu anapenda. Donnez priorité. Muipatie fwashi ya kwanza. À la parole de Dieu. Neno la Mungu muipatie fwashi ya kwanza. Dans la vie. Maisha. Que personne. Kusikua ta mutu moja. Enlève la joie de la parole dans votre vie. Mutu ata moja ashitoshe ile furaha ya neno ndani ya moyo wenu. Aimez la parole de Dieu. Pendeni neno la Mungu. Plus que toute autre chose. Shindia vitu vyote vingine. C'est la meilleure chose. Cho kintu kia kabaila. Quand vous venez à l'église. Na wakati unako kanisa. Oubliez tout. Sabu mambo yote. Débarrassez-vous de tout. Achana tu na biote. Et ton esprit concentré. Wana roho yako mpaka hapa. Ton âme. Nafsi yako. Mwili yako. Je suis venu te rencontrer. Sema Bwana, mimi nakuja kwako. J'aimerais que tu me parles. Napenda useme nami. Je veux ce matin. Napenda ya asubuhi. Kukona. Je sais que chacun a parlé à Dieu. Kila mtu aseme na Mungu. Et vous vous préparez. Na unajitayarisha. Na unaomba prêcher la préparation. Na nama rubiri kujanda. On ne quitte pas seulement comme ça. Utatoka tu ngulu ngulu. Quittez le travail vite. Le marché vous courez. Non, me refusez ça. La ville. Même si tu étais dans ton bureau. Avant de quitter. Ayez même genoux 10 minutes. Changez l'atmosphère du travail. Vous devez entrer dans une atmosphère qui vous approche de Dieu. Faut chercher à se retirer. Inabidi unarudi. 5 minutes. Hata madakika 5 tu. Parler à lui. Unasema kuna Mungu. Seigneur, lave-moi. Bwana unioshe. Toutes les pensées que j'avais. Mafikiri yote nilikuwa nayo. Ya kazi, ya soko, ya bilani, bile biote. Enlève ça dans ma tête. Bwana tosha hiyo kichwa yangu. Utarisha nafsi yangu. Utarisha moyo wangu. Utarisha roho yangu. Que toutes mes pensées soient dirigées ce matin vers toi. Iwe mpaka. Je veux que tu me racontes. Napenda ukutane nami. Inonde mon âme. Jaza nafsi yangu. La communion. Ushirika. Le 4 février 1962. Tarehe 4 mwezi wa 2 mwaka wa 62.
Déception.
ni kufadhaikwa tu. A besoin de nourriture. Inahitaji chakula. A besoin de breuvage. Inahitaji vya kunywa. Quand on va seulement sortir ici, wakati tutatoka hapa, vous trouverez déjà des frères de sœurs là-bas. Takuta ile ngambo wa ndugu na wadada. Tu de boire de manger tout ça na kunywa. À cause de ce corps. Ni njutu ya hii mwili. Alors notre corps spirituel aussi. Sasa ile mwili yetu ya kiropia. A besoin. Inahitaji de la parole. Neno. Qui est sa nourriture? Yenye kwa chakula yake. Mais lorsque vous, sasa wakati we, vous ne nourrissez pas ce corps, aulishe ile mwili yake wa kiro, quel sera son état? Itakuwa katika hali gani? Itakuwaje? Quel sera son état? Itakuwa katika hali gani? Mes fufu vont rester. Bukari, utabakia. Tout ça reste. Ile yote tabakia. Mais l'âme, lakini nafsi, vivra éternellement. Nafsi taishi milele. Et voilà sa nourriture. Mone basi chakula yake. C'est la parole de Dieu. Neno la Mungu. Eh bien, une autre raison pour laquelle nous prenons de la nourriture. Munaona ile yenye kifukuzio kinyetu tunabebeka tena chakula. C'est pour fortifier notre corps. Ni ndio kangamisha mili yetu. Afin de résister aux maladies. Tuanze kuzimpa mbele ya magonjwa. Amen. Amen. Si vous ne mangez pas bien. Kama ukule mzuri. Les maladies peuvent venir à tout moment. Magonjwa itaanza kutembelea saa yote. Quand les médecins sont là, ils savent. Wa mganga weko pale kunakuwa maglobule. Quelqu'un qui est bien, il y a des choses là qui combat. Lakini katika mkomfi. Pour que vous soyez fort. Juu pate kuwa nguvu. Si vous ne prenez pas de nourriture. Kama ukule chakula. Vous laissez votre corps s'affaiblir. Na unaacha mwili yako kuwa mdhaifu. Alors il sera sujet aux maladies. Pale basi itakuwa ni burafiki, itaingia burafiki na magonjwa. Les maladies vont s'introduire dans le sang. Magonjwa itaingia ndani ya damu. Et là, na pale sonne fini de vous. Mambo inamalizika kwako. Si votre sang n'est pas riche. Kama damu yako haina mtajiri. Na ya usafi. Eh bien alors. Pale basi. La maladie attaquera. Magonjwa itashambulia. Itashambulia mwili yako, damu yako. Il faut donc manger. Inabidi basi de kula. Bons aliments. Kula chakula mzuri. Nourrissant. Yenye kulisha mwili. Pour que votre système sanguin. Juu ile mandamano ya damu yako. Reste sain. Ibakie safi. Si vous ne le faites pas. Kama wewe ufadhile. Vous ne résisterez pas aux maladies. Hausakuwa na zimpa mbele ya magonjwa. C'est ça le problème. Jo mambo ile. Avec beaucoup de chrétiens. Na ba Kristo mingi. Aujourd'hui. Leo. Les gens ne veulent pas bien manger. Batu. Bina katala kula mzuri. Il a l'argent. Eko na pesa. Mais. Lakini. Il ne mange pas bien. Apendake kula tu. Frère Branham condamne ça. Ndugu Branham analaumu ile. Si Dieu vous donne l'argent. Kama Mungu anakupatia pesa. Vous ne mangez pas bien. Na ukule mzuri. Vous habillez pas bien. Na uvale mzuri. Vous allez répondre. Pale. Utasamba. Si Dieu vous donne l'argent. Kama Mungu anakupatia pesa. Vous devez bien manger. Napasha kula mzuri. Nourrir bien les enfants. Kwanza kulisa watoto mzuri. Manger les aliments. Kula chakula. Sasa Branham a dit nourrissant. Ile chakula yenye kulisha mwili. Aina ba projet, ba projet. Aina paka mapo tangu lianzaka na mapo, ba projet. Ukienda na ba projet angope wapi? Ile mamapo utaenda nayo wapi? Les gens ont l'argent, but mais ils mangent très mal. Kula ubera, kula les enfants ne prennent pas les lait. Le matin, il n'y a rien, vous l'avez vu. Les choses sont impossibles. Bintu, bisio, ezikana. Frère Branham dit, nous échappons à toute contrainte. Kuna kwa, dans la prédication, échappons à toute contrainte. Mumahubiri, kukimbia, ile musukumo yote. Cet argent, c'est piwant. Dans les narines de l'éternel. Ile pesa ya vile na kwa nanuka mbaya mpua ya wamilele. Faleke eza la mbongo ya mape. Inapasha kwa ni makuta mwa mbaya ile. Si Dieu vous donne l'argent. Kama Mungu anakupatia makuta. Vous devez bien manger. Unapasha kula mzuri. Est-ce que vous me saisissez? Eti mnanishika. Je dis vous devez bien manger. Nasema hivi, munapasha kuri ya mzuri. Et variété des aliments. Vyakulia vya kwa chana chana.
Aujourd'hui vous mangez le riz. Leo unakula kwa wali. Vous mangez le fufu. Kesho yake bukari, le matofa, mandizi. Voilà. Si mnaona. La viande. Unakula kwa nyama, nyama yani, sombe yote, chakula. Pas tous les jours matembele. Hapana kila siku mpaka matembele na bukari, matembele na bukari, matembele. Vous ne voulez pas bien manger. Ah, les bien enfants ne grandissent pas bien. Matoto mashida komala. Ne sont pas bien vêtus. Ah, bah voilà. Pourquoi Dieu t'a donné l'argent? Sasa, Mungu alikupatia nini makuta? Frère Branham dit. Donc on asema. Dieu vous donne l'argent. Wakati Mungu anakupatia pesa. Ah, tu ne le sais pas. Katika mahubiri au jui. Si Dieu vous donne l'argent. Kama Mungu anakupatia pesa. La première chose. Kitu ya kwanza. C'est Dieu. Ni Mungu. Qui est la première position? La deuxième place. Ile fwashi ya pili. C'est votre femme. Ni mke wako. Et les enfants. Na batoto yako. Et après. Na kisha pale. C'est la famille. Jo unaanza sasa chama. Amen. Sema mina. Si vous avez l'argent. Kama kuna pesa. Je dis bien. Nasema. La première place. Fwashi ya kwanza. C'est Dieu. Ni Mungu. La deuxième place, c'est la femme, mke wako, et les enfants, na batoto yako. Et la troisième, na ile fois ya tatu sasa, la famille, jo sasa jama kubwa. Vous avez l'argent, lakini una pesa. La femme ne s'habille pas bien, bibi yako avwalake mzuri, les enfants ne s'habille pas bien, batoto yako avwalake, ne mange pas bien, abakulake mzuri. Vous faites quoi avec sasa cette wele famille? Pesa yako unafukana wewe nini? Et vous allez répondre. Uta samba. Je veux. Voyez, dans cet âge. Naona katika ikizazi. Quand Dieu a béni Frère Branham. Wakati Mungu alimbariki ndugu Branham. Il n'y a pas un homme qui a mangé bien comme Frère Branham. Hakuna mtu alikula mzuri tu sana ndugu Branham. Frère Branham a mangé. Ndugu Branham, kuria huko. Alikulia tu. Jinenga na hotel yao. Na yoga posta na lia nyama ya zamba. Paka hivi ninaubia hapa nashikia kuria kale ka nyama ya pori. Bazoye langana ngota lakini hapa nilete Frère Branham azoke ndeko boma yemo wazoke ni artisti kote ya boye ndu Branham ye peke alikuwa anafanya anamaliza kubili ye peke anenda mupori anapeba nyama yako na choma alikuwa anakula ni mzuri ye yango Frère mo atuna kaya vi Frère Branham joma na kundu kumoya alikuwa na muswali. Ndugu Branham asa ndugu Branham. Sasa mmanje la viande. Nyama hiyo ushapenda ukula ndugu Branham. Il dit c'est le repas de Elohim. Asema hii ndio chakula ya Elohim. Amen. Amen. Fungulia malamu. Nabidi kuria mzuri. Wala watu boy. Ezana peuple mungu. Unafaa unakatala. Kuna kuwaka taifa moja kule kwa asubuhi bandande. Miliardere. Ba miliardere bwana. Mosi na tongo na adana bilanga. Lakini asubuhi bibi yake yeye yule na kifurushi kule mpori. Mbongo nyoso zaka hata una bagaleri. Pesa yote ni paka seo na chenga. Na chenga makorofa. Lakini bibi yeye. Kina ya mbongo wana ha? Nini? Maana ya ile pesa nini? Okay, nini? Bana basimbika kabambala wana utafika mlango na kutaba zanga tomato na kala mkono na tumalaki arrête ça mwachi ya vile je dis encore nasema si tena vous avez l'argent kama huko na il faut bien manger inabidi kula mzuri de bons aliments chakula mzuri est-ce que c'est compris eti unaelewa. Faut acheter de bons aliments. Nabidi kutafuta chakula. Des aliments nourrissants. Chakula kitajiri. Il faut donc manger. Inabidi basi kula. Pour que votre système sanguin. Juma ndamano ya damu yako. Reste sain. Ibakie safi. Si vous ne le faites pas. Kama wewe ufanye hili. Vous ne registrerez pas aux maladies. Hautazimpa mbele ya magonjwa. C'est le problème. Ndio mambo ni ile. Avec beaucoup de chrétiens. Na wakristo mingi. Soki ya dhana mbongo zoli ya biete yako ya bisangai. Kama huku na pesa, eko na pesa lakini wao kule mzuri, kwa unyoneshi.
Faut bien manger. Il a pidi. Descendez dans paragraphe 5. C'est ça le problème aujourd'hui. Mamboni le Léo. Chez les gens. Ubatu. C'est ça le problème. Mamboni le. Car l'Église aujourd'hui. Kwani kanisa leo. On nous a administré tant de vaccins. Bari tutuanga paka dawa ya mchoko. Et tant de théologie humaine. Na ma théologie ya watu. Et nous sommes complètement pulvérisés. Na tunafikia mkupoza kabisa. Ce dont nous avons besoin. Ile nye tunahitaji. C'est du vaccin de Dieu. Ni ile dawa ya Mungu. Par la parole du Seigneur Dieu. Kupitia neno ya Bwana Mungu. L'homme vivra quotidiennement de cette espèce de nourriture. Mtu atakuwa naishi kila siku na hii aina ya chakula. Édifier son âme. Jua kujenga nafsi yake. Par un vaccin contre les maladies spirituelles. Na ile dawa yenye kukombanisha magonjwa ya kiroho. Yenye kujisambaza. Et qui se propage dans le pays. Na iku na sambalala katika inchi yote. J'ai beaucoup de notes là-dessus. Kuna kwa manjina mingi kuhusu ile. Mais je vais devoir m'arrêter. Lakini nitashimamia pale. Il y a des maladies spirituelles. Kuna kwa magonjwa ya kiroho. Qui se propage dans le pays. Yenye kujisambaza katika inchi. Alors il faut un vaccin. Venant de Dieu. Basi inabidi dawa ya kutokea kwa Mungu. Et le vaccin de Dieu. Na ile dawa ya Mungu. Aujourd'hui. Leo. Le message du temps de la fin. Ujumbe wakati ya mwisho. C'est vrai. Et ni kweli. C'est la seule parole. Inakuwa ni neno moja tu. Le seul message. Ujumbe moja. Qui crée la différence. Kutia tofauti. Lorsque tu reçois ce vaccin. Wakati unapokea ile dawa. Les maladies spirituelles. Magonjwa ya kiroho. Seront écartés de toi. Itaachiliwa mbali nawe. Mais tant que tu n'as pas reçu ça. Sasa wakati yote unapokea ile. Tu resteras dans ça. Utabakia ndani ya ile magonjwa. Tu continueras à demeurer dans ces choses-là. Utabakia mpaka mbile bitu. Quand nous avons lu le vendredi. Kisi tulisoma mkazi tano. Chrétien. Mon Christ. Une puissance qui les a élevés. Kuna kuwa uwezo fulani ni bainiwa. Yule ya bitu biote. Qui les dominait. Inye likuwa na batawala zamani. Aujourd'hui. Leo. Ce sont nous qui dominons. Nisikie ndio tunakuwa na tawala bile bitu. Mais si ces choses continuent à vous dominer. Sasa kama bile bitu bingaripa na kutawala. Tu n'as pas encore reçu le vaccin. Pale basi hauyapokea bado ile dawa. Faut le vaccin. Inabidi ile dawa. Vous débarrasser. Jua kujitenganisha. De toutes ces choses. Na bile bitu biote. Spirituel. Bia kiro. Les maladies. Magonjwa. Qui ronge l'église. Yenye kupomona kanisa. Qui fait que vous n'avanciez pas. Yenye kufa kusema ushindo kusonga mbele mzuri. Devez vous débarrasser de ça. Napasha kwa chana na bile biote. Toutes ces petites choses sales. Ile mabitu kidogo kidogo ya uchafuko. Qui ne fait pas vous m'amener à une bonne atmosphère. Yenye nashinda kupeleka katika hali mzuri. Oh, que Dieu nous aide. Hey, Mungu atusaidie. Branham continue dit. Maintenant, fortifiez-vous. Mukankamane. Préparez-vous pour le vaccin. Muritayarishe kwa ajili ya dawa. Oh, Japo, nous vivons de ceci. Tukunaishi na hivi. Nos corps doivent avoir ceci. Mili yetu inapasha kuwa na hivi. Et si nous ne l'avons pas, na kama tuna nayo, alors nous sommes exposés à toutes sortes de maladies. Basi pale tunakuwa sambu rafiki na magonjwa yote. Nous devons préparer les gens pour recevoir le vaccin. Branham alitayarisha bantu juu apokea ile dawa. Lorsque les gens vont recevoir la parole, wakati watu watapokea neno, la parole va leur laver. Ile neno itabaosha. La Bible avait promis. Biblia ilaka. Ils recevront la parole. Atapokea neno. Et la parole va leur laver. Na ile neno itabaosha. La parole c'est le vaccin de Dieu. Neno inakuwa ni ile dawa ya Mungu. Alors que nous la croyons. Mouvile tunakuwa na yamini. Et que nous l'acceptons par la communion. Na tunaikubali kupitia ushirika. Seigneur, ta parole est la vérité. Bwana neno yako ni ukweli. Mon église. Kanisa yangu. Dit qu'il n'y a pas besoin. Inasema de naître de nouveau. Haitaji kuzalika mara pili. Ili disent que se serrer la main. Beko nasema kulamkiana kumkono. C'est cela naître de nouveau. Njo yenye itawa kuzalika mara pili. Ili disent que banasema c'est l'aspersion.
ni kutiliwa maji. It is qu'il s'agit de toutes les autres choses. Banasema inakuwa ni mambo ya tule tumabitu tuine tote. C'est cela. Père, Fils, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Mais la Bible dit. Lakini Biblia inasema. Il faut être baptisé. Inabidi kubatiziwa. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mujina ya Bwana Yesu. Voyez-vous? Naona. Bon, allez. Bas. Songe mbele. Avec ces injections. Na hii dawa. Artificielle. Hii dawa ya binadamu. Si vous le voulez. Kama mnapenda. Vous deviendrez. Mtakuwa. Un chrétien artificiel. Kristo moya wa kibinadamu tu. Voyez-vous? Naona. Ce n'est pas cela. Haiko ile. Il vous faut. Aina ile njoo inakubidi. Il faut l'antidote. Inabidi ile dawa. Il faut le vrai vaccin. Inabidi ile dawa ya kweli. Il faut une... Faut pas des histoires de la terre à terre. Aibidi, il est ma bintu moi ovio ovio. Où les gens sont là, serrer la main. Asema kama muna la mukia na. Il est né de nouveau. Ah, wakati la mukia il yase, Joe nazali kama la pi. Non. Apana. C'est pas ça. Aina bia vile. Faut être au-dessus. Inabidi kwa ju, yulu. Faut la parole. Inabidi neno. Le vaccin de Dieu. Il est dawa ya Mungu. Ça contrôle tout. Il est njoo inakuwa naangalia kila kitu. Unapenda kusema kitu fulani. Le Rome takatifu anakupokea. Pourquoi tu veux faire ça? Ni nini unafia kufanya we? Un chrétien ne fait pas ça. Mon Christ soit fagé. Il y a un agissement comme ça, la parole te dit. Unafia kutenda namna moja, neno inakuwa. Parce que vous êtes vacciné. Kwani unesha chukua ile dawa. Maladies spirituelles. Magonjwa ya kiroho. Ne peuvent pas t'atteindre. Haiwezi kukufikia. Fungula matoi ite. Ushifungule masikio. Hapa nazo shikia vya kushikia. Parce que je suis vacciné. Kwani unesha chukua ile dawa. Je suis vacciné. Sasa kama wao bebe ile vaccine. Oh yeah, yeah. Yo damu taliboso ya koyamba. Sasa wewe unakuwa tu ni mtu wa kupokea yote. Oh, kuna pia bengi. Eh, ule fulani anakuita. Na huku naenda. À cause du manque de vaccin. Ndio tu ya ukosefu ya dawa. Ce que je suis vacciné. Kama unachukua ile dawa komi mtu ya esengo pale basi unakuwa mtu wa fua. Oh, c'est la meilleure chose. Eh, ni kitu kia kizuri kabisa. Nom de Dieu soit béni. Jina ya Mungu ibarikiwe. Christ est le mystère de Dieu révélé. Kristo anakuwa ni ile siri ya Mungu iliyofunua. Juillet 1963. Tarehe 84. Allons-y. Et maintenant. Na hivi sasa. Est-ce que vous lisez avec moi? Eti mnakuwa nasoma pamoja nami. Vous avez des bandes à ce sujet. Mnakuwa na mautepe kuhusu imambo. Vous avez des bandes sur ce que nous croyons. Mnakuwa na mautepe kuhusu binye tunamini. Vous avez des bandes sur la discipline dans l'église. Mnakuwa na mautepe kuhusu namna kujendeza ndani ya kanisa. Comment nous nous comportons dans l'église de Dieu? Namna gani tunakuwaka na jendeza ndani ya kanisa. Comment nous devons nous réunir? Namna gani tunapasha kusanyika ici hapa. Et nous asseoir. Na kuikala ensemble dans les lieux célestes. Pamoja pahali ya juu. Nous avons les bandes sur ça. Tunakuwa na mautepe. Tout ça est enseigné. Hiyo te barikifundisha. Le diacre te dit va ici, va là-bas. Shemasi anakuonyesha uende kule kule. Mets-toi ici, mets-toi ici. Ikaria hapa uikala. C'est la discipline. Ile njo kanuni. Mais enseigné c'est l'ordre. Nous avons ces bandes. Njo mpango tunakuwa na ile mautepe. Ne dites pas, ne discutez pas. Hapa naanza bishana bishana naye. Wewe kwa mtiifu. Alors tu qui a établi. Kwa mutifu kuile mpango. Parce que kwani les bandes sont déjà là. Mautepe iko tayari. Ne reste pas à la maison. Ushibakieni kunyumba. Si Dieu est dans votre cœur. Kama Mungu yuko ndani ya moyo wako. Vous serez impatient. Utakosa uvumilivu. De voir ces portes s'ouvrir. Kuona tu hii milango inafungurika. Que vous entriez ici. Uingie hapa. Afin de communier avec vos frères. Uanze kuikala pamoja na ndugu yako. Si vous n'avez pas kama tele sentiment kama una na ile nia ya vile. Alors je vous dis, basi pale na kuelezea attendez-vous, wakati inesha timia kwako, de mettre à prier, ya kwanza maombi. Est-ce que Frère Branham nous demande de rester à la maison? Eti ndugu Branham anatuelezea tubakie kunyumba. Non non, j'ai mal lu. Hapana, nilisoma mbaya. Il a dit alisema rester à la maison. Bakieni kunyumba.
C'est comme ça là-bas? Est-ce une ville? Non, non, c'est pour moi je vois que c'est comme ça. Apana, mina, restez à la maison. Bakieni kunyumba. Et l'écriture c'est comment? Andiko yo inakuwa ni jebu. Alors lisons encore. Basi tusome tena. Ne restez pas moshi bakieni à la maison. Kunyumba. Si Dieu est dans votre cœur, kama Mungu yuko ndani ya moyo wako, vous serez impatient. Utakosa uvumilivu. De voir ces portes s'ouvrir là. Ona tu hii milango inafungurika. Pour que vous entriez ici. Ndio ingie hapa. Afin de communier avec vos frères. Ya kwanza kushiriki pamoja na ndugu yako. Si vous n'avez pas de tel sentiment. Kama tu hauna nia ya vile. Alors je vous dis. Basi nakuelezea. Il est temps de vous. Wakati yako inatimia. De mettre à prier. Ya kwanza maombi. En effet, Nikusema, nous sommes dans les derniers jours. Tunakuwa na heshi mashiku ya mwisho. Où la Bible ile nye Biblia nous a exalté. Nous a exhorté. D'autant plus que nous voyons ce jour-là s'approcher. Kufuatana na vile tunaona ile siku mukukaribia. À nous aimer les uns les autres. Upendana wamoja na wengine. D'un amour chrétien. Na ile mapendo ya Kristo. Et d'un amour divin. Na ile mapendo ya Mungu. À nous rassembler. Mukujikusanisha. Dans les lieux célestes. Mpahali takatifu. Christ Jésus. Christo Yesu. À nous aimer. Mukupendana. Les uns les autres. Wamoja na wengine. À ceci. Muivi. Tous connaîtront. Wote watatambua. Que vous êtes kama, disciples. Nini ni wanafunzi wangu. Si vous avez de l'amour. Kama mukuna mapendo. Les uns pour les autres. Wamoja kwa ajili ya wengine. C'est vrai. Ni kweli. Restez bien ensemble. Bakie pamoja. Mais je pense sasa na wazia, que aujourd'hui c'est changé. Leo, binesha badiriki. C'est haïssez-vous les uns les autres. Mchukiane, wamoja na wengine. Parlez mal les uns les autres. Mwanze ushimangana, wamoja na wengine. Ça a changé aujourd'hui. Binesha badirika leo. Parce que ici, kwani hapa, l'esprit de Dieu parle. Le roho ya Mungu inakuwa nasema. D'aimer les uns les autres. Ni kupendana wamoja na wengine. D'être dans l'unité. Kubakia katika mungano umoja. Kubakia pamoja. D'aimer ensemble. Na kudumu pamoja. D'autant plus. Benye ku. D'autant plus que nous voyons le temps s'approcher. Kufuatana na vile tunaona siku mukukaribia. Ni ile ndio Paulo alisema. Le jour là s'approche. Ile siku inakaribia. Mais aujourd'hui c'est un changement. Sasa leo ni mabadiliko. Au lieu d'être ensemble. Pale ya kuwa pamoja. Au lieu de s'aimer les uns les autres. Pale ya kupendana wamoja wengine. Mais nous nous haïssons les uns les autres. Sasa leo tunaona kuchukiana wamoja na wengine. Nous nous critiquons les uns les autres. Tukuna shimangana wamoja na wengine. Nous parlons mal les uns les autres. Tunasengeana kusemezeana vibaya wamoja na wengine. Mon frère, ndugu yangu, l'esprit de Dieu, il est roho ya Mungu. Ne peut pas insister sur quelque chose dans le néant. Haiwezi kudumu kukankamana pa mambo fulani bya bule tu. Le jour s'approche. Siku inakaribia. Revenez à la parole. Murudirie neno. Évitez. Mwepuke. Ces choses. Mwepuke ile bitu ya vile. Ile bitu au sawinia mokintu. C'est d'être digne de la parole de Dieu. Waze kustahili ko neno la Mungu. Fermez les oreilles. Funga masikio. Pour attendre de saleté. Waje alikushikia mauchafuko. Vous n'allez rien perdre. Auna na kile utapotesha. Si vous pensez que le frère ou la sœur kama unawazia kusema nduku wala dada est quelque peu dans l'erreur, anezi kuwa katika kosa, dites Seigneur, sema Bwana, ne laisse jamais la racine d'amertume ushachilie mzizi ya uchungu pousser en moi, yanze kuota ndani yangu, parce que cela, kwani ile, lui fera du mal, itamukosea, et cela ôtera Christ dans ma vie, na ile itaondoa Kristo maisha yangu. Quand vous savez que votre frère dans l'erreur, wakati unajua kusema nduki yako yuko na kosa, et que vous, na uwe, vous prenez cela, na uwe na ichukua ile mambo, ça enlève Christ dans vous. Iku natosha njo Christ ndani yako. Amen.
ces acides empoisonnés imzizi ya sumu de malice ya ujanja de jalousie ya chuki de haine ya chuki cela ôtera immédiatement il est à ondoa pale pale le Saint-Esprit de ou le Rome takatifu wa Mungu cela le fera fuir il est à mkimbisha de ce tabernacle atatoka katika imaskani cela tuera le fruit de Dieu il est à ua roho ya Mungu ou le chassera d'ici voilà il tamfukusha pale kwa cela blessera votre pasteur il est à mumiza pastori wako cela provoquera toutes sortes de choses il est à leta mambo yote mbaya voyez-vous naona ne faites pas cela. Mujifanyeni bia vile. Est-ce qu'il y a un amen? Eti kuna kwa amina. Dans le fer et dans les rêves. Wakati nduku eko katika si kosa. Si vous n'avez pas le courage de le voir. Kama una na ile udari ya kwenda kuonana naye. Pika basi. Priez pour lui. Umombeye. Et ne laissez pas que cela infecte votre âme. Na hapana kuachilia ile mambo yanze kuharibisha. Aimez le plus. Na umpende kwa zaidi. On y est. Palia. Peut détruire son influence. Kwanza kupomona kafumu yake. Dieu ne vous honorera pas. Mungu atakushimisha. Parce que kwani dans tout il est humain. Mukila kisha biote ule mtu shini binadamu. Shini mambo inaweza kumfikia na yeye. Lakini la procédure de la parole de Dieu. Ya neno la Mungu. Amen. Ah. Restez simplement attachés. Mbakie tu benye kombatana. Davantage les uns aux autres. Zaidi wa moja na wengine benye kungana. Tresele. Mumushaurie. Prenez la boucle. Mufunge ile mambo. Prenez la boucle. Chukua basi ile silaha. Comme l'a témoigné le frère. Gisi nduku alishuhudia. Ministre ici l'autre soir. Mubiri siku moja hapa magharibi. Au sujet de la boucle. Kuhusu ile mambo ya kuchukua ile silaha. Ayant vu cela dans une vision. Na aliona katika onyo. Juste. Ces boucles sur toute l'armure de Dieu. Ile silaha ya Mungu. Prenez simplement cela. Wewe uichukue tu. Resserrez-le. Na uishike mzuri. Rapprochez-vous davantage. Na karibia zaidi. Les uns des autres. Kwa moja na wengine. Aimez-vous les uns les autres. Mpendeni na kila wengine. Hata mambo yanakuwa cheni. Parlez-vous bien les uns les autres. Mwanze kushuhudiana vizuri wa moja na wengine. Dites des choses agréables les uns les autres. Mwanze kusema mambo mema pamoja kwa ajili ya wengine. Dites des choses agréables. Bitu vizuri. Les uns au sujet des autres. Wa moja kuhusu mambo ya wengine. Et alors? Na pale basi. Dieu. Mungu. Vous me dira? Atakulani. Dieu fera quoi? Mungu atafanya nini? Prenons dit. Manama anasema. Dites de bonnes choses. Semeni mema. Parlez de belles paroles. Mwanze kusema kwa misemo ya mzuri. Dites de belles choses aussi. Mwanze kusema kwa mambo ya mzuri, mzuri kuhusu banduku. My God. Hey, Mungu wangu. I don't believe. Mishbielewe. Je ne crois pas. Mishiamini. Quelqu'un qui peut écouter ça? Mtu munyariza anashikia hivi vya hivi. Dites de belles paroles. Mwanze kusema misemo ya mzuri. Il continue à dire que de mon frère, yeye anaendelea paka na kusema kanyaka. Mutaishia wapi? Mon frère ma sœur. Ndugu yangu tayangu. Frère Branham. Ndugu Branham. Insiste. Anakaza. Parce qu'il sait. Kwani anajua. Que si réellement nous sommes un. Anajua kama tu katika umoja. Nous sommes dans l'exode. Tunakuwa mkutoka. Nous allons nous retrouver là. Pale basi tutakutana ni ngamba. Si vous n'aimez pas ces frères. Sasa, wewe kama unashinda kwenda. Vous allez vous retrouver là-bas. Na mnaenda mnakutana huko. Vous allez vous embrasser. Sasa, mtaumbatiana. Ces choses ne sont pas bonnes. Bintu havina vizuri. Vous êtes là de me parler de mauvaises paroles. Upaka pale kusemaka paka mabaya. Paka mabaya. Nole mwana mama pe. Kusemaka paka mnamna mbaya. Dites de belles paroles.
semeni maneno mzuri. Dans super sens. Katika le hisi ya juu kabisa. Même si vous connaissez les mauvaises choses. Hata kama unajua mabaya ya Mungu. Parlez de bon côté. Brana masema, wewe semezea maema. Chikao wana. Acha bile bibaya bile unayua bile. Et ça le l'autre côté. Abi safa kitu. Me kande ngeto bima. Lakini paka hivi tutatoka hapo. Paka leo hivi. Hello. Frère Malobi. Na si nuba anasema Dieu Mungu. Quand vous allez dire de belles paroles. Wakati utakuwa unasema. Vous allez dire des choses agréables. Utasema maneno ya mzuri. Ndio Malobi kuna je Dieu nous modira. Eh, kule mnaona hapa anasema sasa Mungu atatulaeni. Dieu Mungu vous bénira. Atamibariki. Au moment le contraire de ça. Sasa kinyume hili. Quand tu dis maintenant de mauvaises paroles. Wakati unasemaka maneno mabaya. Sasa benediction bien quoi? Itakuwa ni nini? Baraka wala sans problème. Donc nous prenons le côté positif, prenons le négatif. Wakati unaweba ngamu. Vous parlez toujours mal. Sasa wewe unasemaka paka mabaya. De mensonge, vous composez. Bongo. Vous faites qu'il est. Unaanza kwenda bongo. Sasa na fuera la crainte de Dieu. Ila atakuwa na boka ya Mungu. Et vous n'êtes pas gêné quand vous le dites. Na haujizuizi hata wakati unaisema. Est-ce que Dieu vous bénira? Eti Mungu ataubariki. Utie fera kwa Mungu. Wala Mungu atafasa nini? Nous devons être sérieux. Tu n'as pas chaque fois Shima. Même un chanteur de dénomination a chanté. Ile nyari mtendeaka. Ile ngamu ya mabaya. Yeye ni kwa kuonaka paka mabaya. Ton frère et ton frère. Nduku yako ni ta sœur et votre sœur. Dada yako shini dada yako. Sommes une famille. Munakuwa ni jamaa moja. Ezo sala ke batu mususu bazo kimya eglise. Inafaa kusema watu wengine wanaanza kukimbia kanisa. Bana musema na ngara na ponyoka lake. Anaponyoka nini? Ton frère bwana anasema. Ninjo ile bitu bwana anasema. Nous avons une loi. Tunakuwa na sheria moja. Kenyo sala nini? Nduku yako manamkia mshimu, wende fa nini? Olukaye. Wende mtoshemo. Sogo bandi olobawa. Kama tunaanza kusema hapa, kama unaanza kusema hapa. Ezane tinde odopesa discours. Ninakuwa tu saa. Ni mambo fulani tu unasema. O convaincre bato njuba voteyo. Uanze kuhakikisha bantu njuba kuchakule kwa. Election banana ni comité. Na wewe nyema machaguzi hayakuya. Wewe candidature yangu na wewe ya mbangu boye. Sasa wewe unakuwa unajieleza pale mbio. Nisaya nini? Ni mambo gani? Est-ce que vous me saisissez? Eti mnanishika. Ils sont en train d'aller chiter. Niko mukumaliza. Nous sommes sur la prédication l'eau du rocher. Tunakuya mumbahubiri mai tayari kumwamba. L'eau du rocher. Maji ya mwamba. Paragraph 69. Ayake ya 69. Va descendre. Tutashuka. L'eau toujours présente du rocher. Okay. Maji tayari ku mwamba. Le 23 juillet 1961. Tarehe ya 23. Tous les oiseaux chantaient différemment. Bandeke bote banaimbaka mnamuna kwa chana. Tout le monde était doux.
Dunia yote na mpole. Comme tu étais formidable. Sa vile yote ilikuwa ya machafu. Quand vous avez été sauvé. Wakati uliokolewa. Alors vient le temps de l'épreuve. Basi wakati ya kipimo inatimia. La correction. Ile kusaishwa. Le temps de sanctification. Ile wakati ya kusabiliwa haki. Vous sanctifiant des choses du monde. Unajitakasa kutoka vitu ya dunia. Rejetant le fardeau qui vous enveloppe. Mukotupa ile muziko yenye kufunga. Si facilement. Kwepesi. Vous hommes, nini watu, avez dit arrêtez de fumer, mwe banaume benye muriacha kufuga, arrêtez de boire, muriacha kunywa, arrêtez d'aller jouer au billard, muriacha kwenda kucheza ku billard, passer toute la nuit à jouer aux cartes. Muriacha kupitisha usiku wote mkucheza michezo ya cartes. Toutes ces choses. Ile mabintu yote. Vous avez dit. Murisema. Vous sanctifiez. Muritakasa. Muritakasa na bile vitu vyote kupitia damu. Dans le sang de Jésus-Christ. Ndani ya damu ya Yesu Kristo. Vous sanctifiant. Benye kutakasa. Et vous femmes. Na nini wanamke. Vous avez dit laissez pousser vos cheveux. Muriacha nywele yenu inaota. Allongez vos robes et agir différemment auparavant le temps de la sanctification. Souvent ils se rebellent, ils se rebellaient et retournaient en arrière. Eh bien, voyez-vous, ce n'est pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu regarde directement au calvaire. Et il sait que c'est pour son bien. Alors, pendant cet espace de temps, c'est là qu'il y est. C'est là abandon Israël. Et alors, quand il y a eu ce grand moment d'influence, wakati ya mvuto, et que les gens commencèrent à abandonner na watu waliacha kuanza kuacha part et d'autres, balikuwa naacha ngambo moja na ingine, alors ils commencèrent à bavarder, basi pale bakaanza kusema kanya et dit, na kusema oh, hey, nous souhaiterions tuliweza ta kupenda nous retrouver en Egypte, tuliweza ta kupenda kubakia kule kumesi, notre âme est dégoûtée, nafsi yetu inashikia buchungu. Cette misérable nourriture. Na ichakula hii ya ovyo. Umisemo ingine. Si nous prenions cela. Kama tulikuwa na ikula. Historiquement. Zamani. C'est ce qu'ils ont dit. Ni ile njo barikuwa nasema. Ils ont commencé quoi? Barikuwa nasema nini? Le bavardage. Kusema kanya. Biloba loba. Kusema kanya. Nous sommes fatigués. Nous avons retourné en Égypte. Nous avons peine à retourner à Comestri. Si nous le prenions kama tuweza kubeba dans le temps moderne, mui wakati ce serait bilipasha kuya ni oh, hey, chaque mercredi soir, kila siku ya tatu mangaribi, réunion de prière pa, oh, tuende maombi chaque dimanche matin, kila siku ya yenga asubuhi, de nouveau à l'église, tuende kanisa tena. Qu'attendons-nous? Ni nini kumbi tunasubiri? La même chose. Kitu ni paka vile vile. Le prédicateur se lève. Mubiri anasimama. Et prêche. Na anahubiri. Et il y a des chants. Na kuna kwa mimbo. Et nous retournons à la maison. Na tunarudia kunyumba. Voyez-vous? Naona. Vous n'y allez que par devoir. Pale basi mnakuwa nenda saa kwa mkazo. Vous n'êtes pas un adorateur. Kusema we hauna mtu mwenye kuabudu. Un adorateur. Mtu mwenye kuabudu. Il va pour adorer. Yeye anaenda kanisa njoo kuabudu. Pour s'exprimer devant son Dieu. Njoo kujifasilia mbele ya Mungu wake. Pour louer Dieu. Njoo kumsifu Mungu. Pour sa bonté. Njoo uwema wake. Et il s'accroche à chaque parole. Na anakumbatia kila neno. Est-ce qu'il y a des adorateurs ici? Kuna kwa wabudu hapa. Si tu es adorateur, acclame. Kama wewe ni mwabudu, shangilia. Les adorateurs viennent. Wabudu wanakuyaka. Pour adorer. Njua kuabudu. Pour s'accrocher. Njua kukumbatia. De la parole de Dieu. Neno la Mungu.
chaque mercredi. Kila siku ya tatu. Parce que Abraham Tabernacle. Kwani kule kwa Abraham Tabernacle. On adorait que deux fois la semaine. Alikuwa anaabudu mara mbili kwa wiki. Mercredi et dimanche. Kazi tatu na mienga. Et dimanche c'était matin et soir. Na siku ya yenga ilikuwa ni asubuhi na jioni. Et tout le monde. Na watu wote. Le prêtre là. Alipasha kuya hapo. Et le dimanche matin. Na siku ya yenga asubuhi watu wote. Et le dimanche soir. Na jioni tena. Et si vous êtes chrétien, na kama wewe ni mkristo, chaque mercredi, kila siku ya tatu, vous serez ici. Chaque vendredi, kila siku ya vous tatu, serez ici. Unapasha kwa hapa. Et le dimanche matin. Na hata siku ya enga asubuhi. Qui le feront? Ndi wanani wataifanya? Ce sont les croyants. Ni paka waamini. Ce sont les adorateurs. Paka wabudu ndio wataitimiza. Vous ne l'êtes pas? Kama wewe una mwabudu. Votre manière continuera toujours. Mais pour les vrais adorateurs. Lakini kwa ajili ya waabudu wa kweli. C'est une vie. Ile ni maisha tu. Pour eux c'est une vie. Kwa ajili yao ni maisha. C'est comme une affaire d'amour. Inakuwa sa vile mambo ya mapendo. Si vous sortiez avec une jeune fille. Kama ulikuwa unatokaka zamani na binti fulani. Simplement pratique. Njutu. Vous savez que c'est un devoir. Ulijua kusema ni mkazo unapasha paka utoke naye. Si vous sortiez avec un garçon. Wala kama ulikuwa unatokaka na kijana fulani. Vous étiez jeune. Ile wakati ulikuwa kisijana. Maman fait que je sorte avec ce gars là. Mama njoo anapenda tu asema nitoke na ule kiana ule. Mais je ne peux pas le supporter. Lakini mimi nashindwa langu kumpenda. Vous ne recevez rien lorsqu'il vient vous voir. Pale basi kama na wao kutembelea au stafaidikia. Parce que vous ne l'aimez pas. Kwani wewe wako au mpende? Vous voyez? Même s'il vient te voir, hata kama anakuwa kukona, il n'y a rien de bon dans toi. Hausashikia mchechemuko ndani yako. Parce que c'est maman qui l'a voulu. Kwani mama ndio alikukaza. Mais si c'est une personne. Lakini kama ni mtu. Que toi tu l'aimes. Yewe ulipenda. Que vous le voyez. Wakati tunamona. Ton atmosphere change. Hali yako inachechemuka. Parce que il y a histoire d'amour. Kwani pale kunakuwa mapendo fulani. Quand il vient, vous ne recevez. Wakati anakuya utampokea. Voyez. C'est la même chose. Ni vile vile. Par rapport à la fille. Kuhusu ule mwanamke. Vis-à-vis du garçon. Mbele ya kijana. Ou par rapport au garçon. Wala kijana. Vis-à-vis de la fille. Mbele ya mwanamke. Vous allez avec elle. Unaenda naye. Mais elle vous ennuie. Lakini yeko na ashufuraishe. Maman veut que vous alliez avec elle. Mama ndio anapenda. Parce que c'est le genre de fille que maman aime. Ni njoo ni ile aina ya binti mama anapendaka. Voyez-vous? Naona. C'est là vous ennuie. Ile itakuwa nakusumbua. Il n'y a point d'amour. Mapendo hakuna. Mais vous ne vous souciez pas de cela. Lakini wewe kwa una takule. Vous ne voulez pas vous laver. Loako aupende kutoka mbili. Vous ne voulez pas aller la voir. Au shike vya kwenda kumuona. Et c'est un nani. Oh, c'est quelque chose d'horrible. Wana ni kintu kia hovye, kia hatari. Et lorsqu'il vient vous voir. Na wakati anawao kutembelea. Oh là là. Hey. Vous souhaitez. Utatamani. Il se dépêche. Utatamani tu harakishe. Et qu'il retourne chez lui. Naende lwake tu. Parce qu'il n'y a pas d'amour. Ninju. Kuna mapendo. Asala nokia. Achachishe. Azonga na ye. Anakuya. Aye atoke. Namutema kuna zose penati. Ndani ya roa. Aufurai. Soya tu niyo. Boni yo za mkilo boi. Anangara se. Uyu bwana mwye kochi. Azonga kama malezi. Zonga lokuta. Amishishike mzuri ilo angu. Ya bongo. C'est la même chose. Ni vile vile. Avec vous. Na we. Lorsque vous dites. Wakati unasema. Oh, pourquoi a-t-il prêché si longtemps? Kwa nini basi alikawia na mahubiri yake hivi? Et connaît-il de tout ceci et de tout cela? Eti anayo tu mambo yote kuhusu kifulani na kifulani. Voyez-vous? Unaona? Vous n'êtes pas amoureux. Pale basi hauna na mapendo. Vous n'êtes pas amoureux de la parole. Hauna na mapendo mbele ya neno. Ndio vile unataka kusortera. Alikawia sana na hii mahubiri yake yenyewe. Huku tu haraka. Purale. Njoo kwenda. Parce que vous n'êtes pas amoureux de Dieu. Ninju ampende. Alors il faut que les choses soient vite. Inabidi vitu vifanyike haraka. Allez utoke wende. Mais ceux qui sont amoureux. Lakini waliopenda Mungu.
aime rester dans la présence de Dieu. Parce que c'est la grande consolation pour eux. Est-ce que c'est la vérité? Eti ni ukweli. Et c'est à cause de ces choses. Na ni njua hivi vitu. Ça peut devenir un débat. Ndio inaweza kuwa ni mabishano. Oh, lola, umeli. Eh, ule fulani anakaa alikaa mahubiri mirefu. Mimi nilobayo kaki hata mamukeli ngaga sungayo elongo ipeka. Hata ile neno kiroko yenyewe ulishikia liweza kusaidia inakutoka inaenda. Parce que vous n'êtes pas. Ni njua tu hauna. Vous n'êtes pas amoureux. Hauna na mapendo si ya Mungu. Vous êtes amoureux. Kama tuweza kuwa na mapendo. Vous allez être heureux dans la présence de Dieu. Ulipasha kuwa wa heri katika uwepo wa Mungu. Na mpaka pale biote vitamalizika. Na utarudia mwenye kujaziwa na furaha. Amen. Amen. Mais quand vous vous accrochez vraiment à chaque parole, lakini wakati unambatana zaidi kukila neno, comme le fri on a averti ce matin, sa vile barikalamusha ya asubuhi, voyez-vous, naona, s'accrocher à chaque parole, kujikumbatia kabisa kukila neno, il se peut que ce matin, inawezekana ya asubuhi, ce dont il vous a parlé, ile nyari nisemezea, tenir bon, kushika kubakia imara, c'est la vie éternelle. Ni uzima milele. Chaque parole de Dieu. Kila neno la Mungu. C'est une joie. Inakuwa ni furaha. D'aller à l'église. Na kwenda kanisa. Toutes circonstances. Kila mambo. C'est quoi? Ni nini? C'est une ni furaha. L'église, j'aimerais que vous lisez un peu. Kanisa nitatamani kusome. Inakuwa ni furaha kufanya nini? Allons-y. Twendeni. Amen. Amen. En tout temps, mukila jambo. Quand vous allez à l'église, wakati unaenda kanisa, c'est une joie. Inakuwa ni mambo ya furaha. Vous êtes malade. Unauma. Mambo haikuendeki vizuri. Hakuna chakula. Marifukisha watoto shule. Le loyer. Les ceci. Makuta ya nyumba ni fulani. Kila jambo. Mais tu as la joie. Lakini kuna furaha. De venir à l'église. Nakuya kanisa. Je suis malade. Nagonjwa. Mais j'ai défié Satan. Lakini nilipishana na shetani. Kwa que malade. Hata niko mgonjwa. Je vais prêcher. Niko na ubiri. En tout mukila jambo. Na yote mwa mutuka pa. Sasa we ni nywele tu inakuluma. Sio mimi finiki. Eh, unaenda unalifunika. Wana komi raison kaka kwa. Inakuwa ni mambo ya nywele mimi nashikia fever. Bona mwa kope mwa ya pamba. Unakuwa tu saa mtu wa kule. Ukienda pe kuna kope mwa simbi pete. Utenda kwa kope mwa ya hivi ya biabule utenda kule austawinia mwa. Satini jua. Inakuwa ni mambo wa fura. Dale ya l'eglise. Na kuenda kanisa. En toute circonstance. Ujambo lolote. Pour venir écouter la parole de Dieu. Sikiliza neno la Mungu. N'abandonnez pas votre assemblée. Mushachirie kanisa yenu. Si les croyants sont ici. Kama wamini beko hapa. Ili diro amen asela. Atasema mina kuile. Et à partir du mercredi, kutokea mercredi, je vais faire le test. Hapa nitapima. C'est une joie. Ni mambo ya furaha. Qu'il fasse chaud. Kukwe kivukutu. Froid. Kukwe baridi. Pas de différence. Hakuna chandisho. Que les gens fassent des histoires. Bantu bafa bifulani. Grogne. Bafoke, bashirike. Pas de différence. Hakuna chanisho. Quoi qu'il fasse. Hata banafa nini. Ce n'est à moi une joie. Lakini ni mambo ya furaha. Attendre. Kuongojea. La parole du Seigneur. Neno la Bwana. Wewe la susite. Kristo. Voyez-vous? Naona. Vous aimez aller à l'église. Unapenda
Ce qui vient à l'église tous les jours, ils sont amoureux de Christ. Ils sont amoureux de Christ. Ils sont amoureux de Christ. Mon frère, Ndukuyang, ma soeur, Dada yangu, la femme de midi, ule mwanamke wa midi, a fait 90 jours hier femme asiku pour aller écouter la parole de Dieu. Kwenda usikia neno la Mungu. Démarche. 3 mois. Arifa miezi tatu ya safari. Pour arriver à l'église. Ndio kwenda kufika kwa kanisa. Peut-être toi. Sasa moja we. Pas même une. Ata sa moja. Pas même 2 heures du temps. Aufanyaka ta masaa 2. Ni 3 heures. Ata masaa 3. Mais des fois. Lakini masaa ingine. Tu te fatigues seulement comme ça. Unarichoka. Elle a mis sa vie en danger. Lakini yeye alitia maisha yake. Pour aller écouter la parole de Dieu. Ndio kwenda kusikia neno la Mungu. Il y avait des bandits dans cette zone. Orekwa wachambazi katika ile jambo. Dieu a envoyé son ange. Lakini Mungu alituma malaika wake. Ndio kumulinda. Mais si vous êtes vraiment amoureux, lakini kama tu kuna mapendo, vous ne pouvez pas attendre que le dimanche matin arrive. Hauwezi tu kwanza kuongojea siku ya yenga asubuhi ifike. Vous devez simplement aller là-bas. Unapasha tu kwanza kwenda kule. Pour être avec eux. Jua kupata kwa pamoja nao. Et nous avons tuko na LC. Na le peuple de Dieu. Tuliacha taifa ya Mungu. Il ne vous ennuie pas. Aikusumbue. Eh bien. Ils sont des frères et sœurs. Bale ni banduku na badada. Entre nous il n'y a pas d'ennui. Kati yetu hakuna mkorokoro. Nous sommes des frères et des sœurs. Tuku ni wanduku na wadada. Comme j'avais l'habitude de dire. Kisi nilikuwa nasemaka. Vous devenez aussi épais. Unakuwa sasa. Et de la mélasse avec le sorgho. Inaanza kuchangana ile menasi na sorgho. Un matin froid. Asubuhi moja kibaridi. Elle ne coule pas. Aitiririke. Elle reste compacte. Na inabakia tu ya kufungana. Cette nourriture quand on prépare le sorgho. Ile chakula wakati wanapikaga sorgho. Ça ne se colle pas. Banaichanga abibambanake. Elle adhère bien. Eh bien. Ya bambana kwa mzuri. C'est une expression ride. Mzuri. Inakuwa ni misemo tu ya batu. Mais c'est un fait d'essayer. Lakini de vous faire savoir. Pima kumitulisha kama ile ni kunaelewa. Vous voyez? Naona. Collez-vous ensemble. Mujunganishe pamoja. Et plus il fait froid. Na zaidi kuna kwa baridi. Plus il colle. Zaidi inaungana. C'est ainsi que ça devrait être avec nous. Ni vile njo ripasha kuwa pamoja nasi. Plus il fait froid. Zaidi kuna kwa baridi. Lorsque les amis terrestres vous abandonnent. Wakati wa rafiki wa mudunia wakwacha. Alors attachez-vous à lui. Basi pale mwambatane naye. Encore plus fortement. Na zaidi. Parce que lui ne t'abandonnera jamais. Kwani yeye hata kwa chaka kamwe. Être amoureux. Kwa na mapendo. Dans toutes circonstances. Mujambo lolote. Tiens l'inimitable main de Dieu. Shika ile mkono ya nguvu ya Mungu. Aussi les amis terrestres abandonnent. Hata kama rafiki wa mdunia wanakuacha. Lui ne t'abandonnera. Yeye hatakuacha kamwe. Il restera avec toi. Atabaki pamoja nawe. Il sera toujours à ton côté. Yeye atakuwa paka pembeni yako. Oh, c'est vraiment merveilleux. Ni ya machabu kabisa. C'est bon ces choses. Ebibintu bikubutamu. Pour t'aider. Jua kusaidia. À savoir votre position. Jua kujua msimamo wako. Vis-à-vis de sacrifice. Mbele ya ile kujitolea. Pour servir Dieu. Mwenye matoleo yenyewe unafanya njoo kutumikia Mungu. Parce que il y a laissé aller. Kwani hapa kuna kwani mambo yote yanesha kuachiliwa. Il y a laissé aller. Kuna kwa kuachiliwa kabisa. Vie à l'église comme on veut. Wako kanisa kitu unapenda, unabakia kumlango, unafamilia unapenda, unafanya fulani hapana. Non frère. Hapana nduku. Soyons sérieux. Tukwe ba kuheshimia yako. Someni hapa ndugu Branham. Je suis en train de lire l'avant-dernière écriture. Niko nasoma andiko moja kubakie moja. La dédicace. Matoleo wala dédicace. 1962. Tarehe 11 mwezi wa 11 mwaka ya 62. Paragraphe 7. Aya ya 7. On va descendre. Na utashuka. Bien, ce matin, j'allais parler
sur un sujet digne leçon de l'école de dimanche. Asubuhi ya leo nilipenda kuzungumzia ile mafundisho ya shule ya Dio ya Yenga. C'est Mateo Tabernacle. Ya asubuhi kumaskani. Mais j'ai remis cela ce soir. Lakini nilipenda ikue hii magharibi. Parce que je devais venir ici pour cette dédicace. Kwa nilipasha kuja hapa ndio hii dédicace. Les services commenceront tôt ce soir. Ibada itaanza mbele wakati jioni ya leo. Tabernacle. Kumaskani. Voyez-vous? Naona. Je souhaite être ici. Ntapenda. Être sur l'estrade. Ntapenda kupanda kukiatari. Prêt pour la prédication à 19h. Tayari njoa mahubiri ma 19h. Afin que nous ne traînions pas. Namna kusema tushikawie tu. J'ai un long message. Na niko na ujumbe mwa mrefu. Le sujet c'est pourquoi suis-je contre la religion organisée. Kishina ya ile mahubiri ni kusema kwa nini niko napinganisha ile dini ya kujitengeneza. Contre la religion organisée. Napinganisha ile dini ya kujitengeneza. Et c'est un enseignement des écritures. Na inakuwa ni mafundisho ya maandiko. Ainsi. Hivi basi. Vous êtes Muko, le troupeau du tabernacle. Muko ni ile zizi qui ya maskani. Benye kwa hapa. Qui est là, eh bien, venez de bonheur. Mozuri mkuye mbele ya wakati. Maintenant. Sasa. Frère Over. Nduku Over. Je ne sais comment remercier. Mais shijui namna gani kushukuru. Le Seigneur ce matin. Shijui namna gani kushukuru Bwana Yesu. Pour un jeune homme qui s'est donné à Christ. Kwa ajili ya kijana mwenye alijitolea kwa Kristo. Au milieu de son peuple. Mwenye kuwa katikati ya taifa yake. Ici envie d'apporter ce glorieux message. Hapa mnamna kuleta hii ujumbe ya ukufu ya Kristo kwa hii taifa. Je suis moi-même originaire du Kentucky. Mimi peke ni kwa Kentucky. Je viens d'une petite ville appelée Burkesville. Nilipenda tu kutokea kule ku Bristville. Non loin d'ici. Aina mbari na hapa. Sur cette route. Ni pa hii barabara. Et je vous demande. Na jiswali. A vous qui habitez les alentours. Na miswali nini benye kwa hapa kando kando. Men originaire di Kentucky. Mie sa vile mtu mwenye kutokea Kentucky. Demanda un autre. Mwenye kuliza mungine. De venir écouter cet homme. Mkuye msikie huyu mtu. Sortez. Mutokeni. Des milliers de ces gens d'ici. Mutokeni katikati ya hao watu. Et répandez la nouvelle partout. Na mwende mulete habari kwa shiote. Na mkuje. Amenez les gens ici. Mulete watu hapa. Si c'est nécessaire. Kama inakuwa ya mzuri. Biblia inasema. Obligez-les. Mbakaze. Entraînez-les. Mbakaze. Avenir. Bakuye. Demandez. Muombe. Descendez dans les rues. Mwende mikoba. Le long des uns. Ile ngambo yote contraigné namba kankanishe bakuye tuko kunguvu mujeni na mungieni mwende mtafute bantu mkuba kankanisha jua kubafikisha wafikie neno la Bwana kama inabidi kubaripia transport mubaripie transport njoo bakuye basikie neno la Mungu et frère Over na ndugu Over je fait connaissance avec lui. Nilifahamiana naye. Il y a de cela quelques années. Unakuwa miaka chache. Et je sais que c'est un homme pieux. Na najua kusema ni mtu mtawa. Consacré. Na mwenye kujitolea. Et puisse le Seigneur a jamais béni ses efforts. Na Bwana bariki nguvu yake. J'ai suivi votre petite chorale. Nilisikia mimbo yenu ya yenu kiroko. J'ai essayé de jeter un coup d'œil. Nilipima kuangalia à la porte kule kumlango et j'ai attendu la petite chorale chanter na nilisikia ile kwaya ndogo mkuimba soyez très sûr muwe na uhakikisho c'est juste ni awaki vous pouvez vous hasarder mnaweza kupima pour n'importe quelle autre chose juu ya mambo yoyote mais quand il est question de votre destination éternel kini kwa ile naangaliana na malekeo yako ya milele vous feriez mieux d'être très sûr itakupendeza ukuwe na uhakikisho yote nilipenda sikia amina. Vous pouvez jouer. Vous pouvez vous hasarder. On peut faire tout, mon frère. Mais quand il est question lakini mambo inaangalia de la destinée maelekeo soyez si wana uhakikisho. Vous devez vous assurer. Napasha wana uhakikisho. Alléluia. Amen. Il
faut être signe. Abraham a aimé ses choirs. La manière dont ils ont chanté. Il a aimé Aripenda. Ce qu'ils avaient chanté. Aripenda ele misemo ya ele mimbo. Ils ont chanté. Là on ne peut pas blaguer. C'est ma coule. Hakuna namna kucheza. Là on doit être sérieux. Kule inapasha kwa baheshima na kureshimia sana. Kureshimia zaidi kushindia byote. Même si on n'a jamais été sérieux. Hata kama au ya reshimiaka. À ce moment-là on doit être sérieux. Lakini mwile wakati inabidi ureshimieko. Parce que c'est question de votre vie. Kwani ile inaangaliana na uzima wako. Oh, j'aime cela. Eh, napenda ka ile. Abraham continue. Abraham anaendelea kusema. Soyez. Naona. Souvenez-vous. Kumbukeni mambo. Soyez très très sûr. Mkuwe na ile uhakikisho sana zaidi. Ne prenez pas de risque là-dessus. Mujipime kwenda samu kuzumbazu kuyumba yumba. Fellowship ce matin. Fellowship ya asubuhi. Je te déclare. Na kudai nasema. Soyez très très sûr de vous. Kwa na uhakikisho yote yote zaidi. Si vous alliez dans un restaurant, kule ku restaurant et qu'il y a commandé un boule de soupe, na urilomba chakula fulani, vous trouviez dans cette soupe une grosse araignée. Na unakuta ndani ya ile soupe muku kibuibui. Vous repousseriez assurément cela. Ile sani ile ya chakula utaikatala utakatala kabisa. Vous ne toucheriez pas du tout. Hautaigusa atakuigusa. Parce que kwani? Cela vous tuerait. Inawezekana ikue. Le poison de cette araignée. Ile sumu ya ile kibuibui. Ndani ya ile soupe. Pourrait causer votre mort. Inezi kukufikisha kulufu. Si. Basi. Si vous veillez. Kama tu unakesha. A ce corps. Unakeshea hii mwili mwina mwa. Qui doit mourir. Inye inapasha kufua. Voyez-vous? Naona. Qu'en sera-t-il? Itakuwaje. Et cette âme. Kwa ajili ya hii nafsi. Il ne doit pas mourir. Inye haipashe kufua. Nous veillons beaucoup sur ce corps. Hii mwili tunaikeshea kabisa. Qu'en sera-t-il de l'âme? Itakuwaje kwa ajili ya nafsi? On crée le poison. Tunakuwa naogopa sumu. Tunakuwa naogopa msiba. Tunaogopa kila kitu. Mais l'âme. Sasa nafsi. Si nous veillons. Kama tu tuweza kukesha. Mais l'âme. Lakini nafsi. Il y avait quelqu'un qui avait chanté. Najua kuna kwa mtu mwenye alimba. Dans les dénominations autrefois. Mazebu zamani. Fresh chanson qui date. Ni mwimbo tu ya zamani. Zoto ya moto. Soki elei malamu zoto. Ekumi sikolo yes. Po wana emoni yezi bozito. Tikalele kufanan. Yoko mwona ndenge komi mabele. Kina nini na sale la zoto yesika ya koluk. Lobiko ya moli mwona. Zoto yo, yezali mabele. Zoto yo, yezali mabele. Tayole isi yangolo lenge nini. Hata unairisha namna gani? Yebandeko. Zoto yo, yezali mabele. Tayola tisi yangolo lenge nini. Hata unaipanisha namna gani? Yebandeko. Endugu. Zoto yo, imwili. Yezali mabele. Na kwatu ni Tayo saleli angolo lengeni. Hata unaifanchia nini? Yebandeko. Ujue ndugu. Zoto yo. Hii mwili. Yezali mabele. Na kwatu ni udongo. Amen. Peu importe. Haizuru. Tout ce que tu peux donner à ce corps. Yote nye unaweza kaburia hii mwili. Mabele. Ni mavumbi tu. Tala. Angari. Nenga na ote yao. Gizi ni unahubiri hapa. Nenga to vandi biso tu hao. Na gizi tusha kuikala hapa shibote. Frère Branham a dit, pendant que vous marchez, wakati unatembea, devant vous, mbele yako, ya, peko kishimo, ya metre carré, kuna kwa shimo pale, ogozonga na mabele, utarudia kule na kombe, vous apprendrez un jour, paka hivi na ubiri utaishi, si partirai avant, kama nitaenda mbele, l'apôtre Prince est décédé, mtasikia kusema, vous allez pleurer, Prince anafariki, mtafazia iko mtaria, lakini mtakuwa baheri, parce que j'ai combattu le bon combat de la foi, kombana ile vita ya imani, amen, si j'apprends, kama mimi nashikia kusema ndugu fulani,
anaenda, je vais regretter, mais je vais bénir Dieu. Mungu, et je chanterai imba, si tu entres là-bas, après mon arrivée, venez m'amener à la maison. Dites à Frère Branham et les autres bengine, que je viendrai aussi. Pia. Nous tous, si si yote, nous allons mourir. C'est la loi de Dieu. Il est Mungu, je viens de la poussière. Tu retourneras. Personne n'échappera à la mort. C'est ainsi que quand vous avez la vie, vile, kuna, cherchez Dieu. Mungu. Soyez si. Préparez votre âme. Tarisha nafsi yako. Parce que c'est l'âme qui va la contredire. Mlaki Mungu. Haiko imwili. La bombe de Poutine, il est comboré à Poutine, va effacer ce corps. Il t'a malisa et mouili. Mais l'original, la kin il est à Ousaïe, va sortir. Il t'a toqué ça. Amen. Amen. Oh, c'est merveilleux. Hey, Niama Djabu. Je termine ici. Namalizi apa. Je vous ai pris beaucoup de temps. Namichukua muda mrefu. Je voulais juste terminer cette pensée. Nilipenda tu ni malize ko hii wazo. Vraiment. Un chagrin. Yeah, na kwa ni uzuni. Parce que aujourd'hui, kwa ni leo, nous sommes en train de nous oublier. Tunakuwa tunajisahau. Alors que ce n'est pas le temps de s'oublier. Jichapo, aina wakati ya kwanza utisahau. C'est le temps où nous devrons voir le désir de Dieu plus. Ni wakati yenyewe tunapasha kwa na ile nia itaji ya Mungu zaidi. Que de faire autre chose. Bali ya kufa vitu vingine. Nous sommes où? Tunafikia wapi? Mali. C'est la nourriture. Le poison vous craignez ainsi. Ainsi, j'aime toute la parole. J'aime toute la parole de Dieu. À la manière du plein évangile. Et ainsi, je crois et j'ai confiance que le frère Ova tiendra sa promesse envers Dieu pour prêcher au mieux de sa connaissance le plein évangile. Oh, c'est merveilleux. J'étais assis là-bas. J'attendais la petite pianiste nilikuwa nasikia ule mama wa kupika kinanda cheza croisement eko na imba imwimbo amini tu fils Billy Paul mtoto wangu Billy Paul je ne pense pas qu'il soit ici maintenant jizanie kusema akuye hapa hapa sasa lakini nasema Billy qui attend ce petit eti unasikia ile mwimbo croisement ile amini tu Billy était là avec frère Branham Billy alikuwa pale na ndugu Branham. Il devrait. Il n'était pas là et Frère Branham devait lui faire attendre. Na ashukuye pondu Branham. Comment il? On était en train de chanter croisement. Arifia kumonesha namna gani barikuwa na chezesha ile mwimbo. Hamini tu. Qui est chanté comme Branham le dit? Inye barikuwa na imba vile ndugu Branham asema. Meo na imba maruga yote. Partout dans le monde. Mashi yote duniani. Ce chant est tellement aimé. Ii mwimbo banaipenda kabisa. On le chante dans toutes les langues. Eko na imba mukila ruga. Croisement. Hamini tu. Oh, c'est le chant de victoire. Eh, inakuwa ni mwimbo ya ushindi. C'est le chant merveilleux. Inakuwa ni mwimbo ya majabu. Et il dit que se chante partout. Anasema ii mwimbo banakuwa na imba fashi yote. Attends, il y a quelque chose qui a arrangé ici. Kuna kwa kitu kinazuiza kiroko hapa na maliza. Sur le piano. Namna gani manakuwa na ipika kinanda. Ce petit cantique. Nisikia ile mwimbo kiroko. Presque toutes les langues sous le ciel. Pepe kuna ipenda maruga yote chini ya mbingu. Et m'invita à l'hôtel. Na kuna nyalika kumazabao. À l'estrade. Ku kiartari. Depuis les régions glacées de l'Arctique. Kutokea ile mafuashi ya barafu. Jusqu'aux extrémités de la terre. Paka kuma
pembe ya dunia. C'est le chant qu'on appelle Frère Branham avec ça. Ni ile mwimbo walikuwa anamwalika nayo ndugu Branham. Ce chant chanté. Wakati walikuwa naimba. Musique douce. Ile mwimbo. Et Frère Branham est venu à l'hôtel. Pole njo ndugu Branham alikuwa anakuya. C'est un bon chant pour appeler le prédicateur. Ni mwimbo mzuri njo kualika nayo mhubiri. Depuis les régions de l'Arctique jusqu'au jungle tropical. Kutokea kule Afrika mpaka kule kwa matropiki. Sous la terre. Apa pa udongo. Autour de la terre. Kando kando ya udongo. Trois éléments. Amen et tout. Par toutes sortes de voix. Na masauti aina yote. M'inviter à l'hôtel. Ilikuwa ananialika. À l'estrade. Ku mazabao wa hatari. Siku moja. Quand? Siku. Sakani. Sur terre, ma vie aura touché à sa fin. Le wakati maisha yangu itamalizika. J'espère qu'ils chanteront cela. Nazani akama bataimba ile mwimbo. Quand ils seront. Ile wakati batakuya. Si je ne vis pas assez longtemps. Mama mishishi tena bilefu. Pour voir. Wakona. Sa venir. Ujio wake. Ils me déposeront au loin. Wakati watanitia kule mbari. Je crois en Jésus Christ. Mie naamini Yesu Kristo. Amen. Amen. Nous sommes presque à la fin. Tunafikia karibu mwisho. La machine. Compliqué juste la fin et la batterie aussi. Je termine ici. Na penda kumalizia hapa. La porte dans la porte pour que nous puissions prier. Mlango ndani ya mlango njoo tufikie mkomba. Dans la porte. Bébé mlango ndani ya mlango. C'est pas grave. Je descends directement dans le paragraphe 40. Nashuka aya yake 40. Si vous êtes lié à votre position sociale, par votre prestige social, les Américains sont corrompus par les prestiges sociaux. Vos églises sont corrompues par les réunions de repas de bienfaisance, par des amarques et des loteries et des futilités tenues dans les églises. Certains prédicateurs clôturent tôt le dimanche matin, beko asubuhi sana siku ya yenga. Clôture tôt pour que les membres puissent aller à la pêche ou à la chasse. Voilà, kuinda. La pêche et la chasse, ile kuloba na kuinda, c'est bien, mais on ne doit pas le faire le dimanche. Lakini atupashe ifanya siku ya yenga. C'est le jour de l'éternel. Siku ya wa milele. Beaucoup de gens congédient leurs églises. Beko natosha makanisa yabo. Tôt. Mbele ya wakati. Pour. Yote, dans notre pays. Dieu ndani ya inchi yetu. Parce que les bars s'ouvrent à 12h. Njoo mabarba naifunguka 12h. Amen. Ah. Amen. Amen. Voyez comment les gens font aujourd'hui. Naona vile batu binafa leo. Les membres imposent même les pasteurs. Bantu banakuwa na lazimisha baubiri. Chachisha. Parce qu'on va déjà ouvrir les bars. Et ils vont aller pour boire dans le monde. Et c'est ce que Branham avait trouvé. Na njo ile Branham et c'était comme ça qu'il marchait. Na njo vile barikuwa naishi.
Et ils étaient en train de venir à l'église. Juste pour des heures bien précis. Si l'église devrait faire une heure, deux heures. Parce qu'on doit directement aller boire. Et beaucoup de gens. Comme nous les prédicateurs. Si on congédie leur église. Parce que les gens vont aller, parce que les bars vont s'ouvrir. Ils peuvent passer un petit après-midi. Tout homme qui fait cela n'est pas en ordre avec Dieu. Excusez-moi. L'assistance. Je vous demande aussi pardon. Mungu. Pendant que j'étais assis hier, il est wakati kwa shaka la jana, au restaurant, kule ku restaurant, un brave petite dame s'est approché. Akina dada moja alinikaribia. Elle a demandé. Na aliswali. Avez-vous des liens avec ce groupe là-bas? Eti unafahamiana na bale watu wako kule? Qui tient ces réunions? Benye kufaa ile mikutano? Je dis je suis frère Branham. Nikasema mimi ni ndugu Branham. Elle a dit. Alisema. Je voudrais dire que ces gens. Se nilipenda kusema sasa bale basi. Qui ont été ici sont les gens les plus braves. Bale benye balikuwa hapa ni bashujaa. Que j'ai jamais vu. Ni bantu bashujaa benye ndikuwa shaonaka. Namna wakati moja moja. Watu bawiri ba makanisa okole retourné na mashati yabo ya mapastor l'autre était assis là na barikuwa pale et il buvait na barikuwa nakunywa martini et du vin barikuwa nakunywa divai et quand ils sont finis na wakati walimaliza leur dîner ile chakula yabo problème dit doit sema même mon fils ata mtoto yangu lui a demandé. Arimswali. Papa. Baba. Est-ce que c'est ça vraiment les gens? Et injoto aina. Pour une grosse pique. Et après avoir dîné, il a pris une grosse pique. Kisha bokula akachukua ile sigara yake ya mnene. Et mon petit garçon de 4 ou 5 ans. Na kijana wangu wa miaka 5 wala 4 akaniswali baba. Est-ce que c'est serviteur de Dieu? Et ni watumishi wa Mungu hapa. Un enfant de 5 ans. Mtoto wa miaka 5. On savait mieux que cela. Alijua mzuri kubashiria. Je n'ai rien contre les hommes. Mieshi. Je savais que ils soient assis ici maintenant. Ilikuwa napendeza wakuwe hapa wenye kukala hapa sasa. Ce que je veux dire frère. Napenda kusema nduku. Vous prétendez être sauvé. Munasema kwa benye kukolewa. La Bible dit. Bien inasema. Vous prétendez être sauvé. Munasema kusema mwe munesha kukolewa. Ok, je suis déjà là. Nafiki hapo. Vous prétendez être sauvé. La Bible dit que c'est pas leur fruit que vous les reconnaîtrez. Ce serait pas anormal. Pour moi, si je voyais un pécheur, ivre juste dans la rue.
mwenye kutembea tu kule parana. Ce ne serait pas normal. Aisa kwa ya. Pour moi si je voyais. Ka, kwa ajili yangu kama naona. Un pécheur avec une pipe. Kutenda maovu na na ile na ile cigarette même. Voilà cigarette. Ce ne serait pas normal. Aisa kwa ya kawaida. Rien. C'était cochon. Ni c'est tout ce qu'il connaît. Ni yote yenyewe anajua. Quand j'entends une personne. Wakati nasikia mtu. Confesse qu'elle est chrétienne. Eko nasema kuwa mkristo. J'ai demandé à quelqu'un. Niliuliza mtu. Pourquoi faites-vous ceci? Kwa nini unafanya hivi? Pourquoi faites-vous ceci? Kwa nini unafanya hivi? Il a répondu. Alijibu. C'est reposant. Ni ça me fait plaisir. Inanipumzisha, inafurahisha. Combien le diable? Mara ngapi shetani? A perverti cela. Arilabisha bile bintu. Dieu a créé l'homme. Mungu aliumba mutu. Pour qu'il ait une soif. Dieu apate kuwa na kiu moja tu. Dieu a créé l'homme. Mungu aliumba mutu. Et c'est que celui-ci. Namna kusema huyu. Recherche le plaisir. Anze kutafuta ile furaha. Et il a créé l'homme. Lakini aliumba mutu. Avec un androa. Na ile na fuashi moya. Dans son cœur. Fuashi moya fulani ndani ya moyo wake. Pour désirer. Dieu apate kutamani. Avoir un grand vie. Kuwa na ile tamaa kubwa. De se détendre. Ya kudi et de se procurer du plaisir. Ya kupitisha wakati na mafuraha. Mais ce plaisir. Lakini ile furaha. Est dans le Seigneur. Inakuwa ndani ya Bwana. Comment osez-vous? Namna gani utapima? Vous n'en avez pas le droit. Au pashwe. Amen. 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 Dans vous. Ndani yako il y a cette chose. Unakuwaka ile kitu. Dans le cœur. Ndani ya moyo. Il y a l'âme. Unakuwaka nafsi. C'est ce qui nous donne. Ndani ile ndio natupatia. La soif de Dieu. Ile kiu ya Mungu. C'est ce qui nous donne. Ni ile ndio natupatia. Le vrai désir. Ile tamaa ya kweli. Notre plaisir. Amu ya kweli. Le meilleur plaisir. Furaha ya kweli. C'est la parole de Dieu. Ni neno la Mungu. Si vous avez un autre plaisir, kama huko na furaha nyingine, en dehors de la parole, sio kwa neno, venez à l'hôtel le Seigneur. Pale basi kuya kwa madhabahu ya Seigneur. Sema e Bwana. Débarrasse-moi. Unitenganishe. De ce plaisir là. Na hii mafurahi. Donne-moi le plaisir de Dieu. Unipatie ile furaha. Que j'avance avec toi. Unisonge mbele. Lorsque ce plaisir là. Wakati ile furaha ile. Aide à ton âme. Kwa ndani ya nafsi yako. Unale pas abandonner. Pale basi haustacha. Notre assemblée. Kanisa yako. Comme c'est la coutume pour les autres, pour les autres, c'est leur coutume. Mais pour vous, soyez du côté positif. Celui qui est à côté de toi, tu ne connais pas qui il est. Mais soyez sûr de toi-même. Amen. Ne dites pas que l'autre n'est pas parti. Moi je ne partirai pas. Non. Pana. Venez écouter la parole. Kuyasikia neno. C'est votre assemblée. Inakuwa ni kanisa yako. Votre présence. Inakuwepo wako. Votre soutenance. Ile dans cette assemblée. Ndani ya hii kanisa. Montrera que. Onesha kama. Vous êtes en ordre avec Dieu. Wewe unakuwa katika usawa na Mungu. Vous êtes un chrétien. Na wewe ni mkristo. Quelqu'un a aimé ce message ce matin. Na ujumbe asubuhi. Est-ce que tu es content ce matin? Je tunafurahi asubuhi. Que Dieu vous bénisse. Mungu anibariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu anibariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu anibariki.